Bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous accueillir sur ce site pour un nouveau Zoom que nous organisons en collaboration avec le Chouk Beno Gross, El Lilmod et moi-même. Eh bien, le thème que nous avons choisi ce soir d'évoquer est le thème de Pessah, votre passeport pour la liberté. Nous sommes, je dois vous dire, très heureux, d'accueillir des communautés francophones d'Israël, bien évidemment, mais de France. Et pour cette fois, nous avons le plaisir d'accueillir aussi une communauté francophone des États-Unis, de Manhattan. Et nous aurons d'ailleurs même le plaisir d'écouter un des conférenciers qui est le président de cette communauté. Alors, à vous tous, je vous souhaite bienvenue. Bourkim Abayim, welcome. Ce n'est pas que mon intention de faire toute la soirée en trois langues, mais c'est simplement pour vous souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Alors, vous savez, quand on parle de Pessah, il faut savoir que chaque fête dans le calendrier juif a un thème spécifique. Pour Pessah, Pâques, c'est la liberté, la notion de liberté qui revient en permanence. Vous savez qu'il y a quatre noms qui sont rattachés à la fête de Pessah. C'est Chagat Pessah, Chagat Matzot, Chagat Aviv, Vechaga Chérout. Chérout, la liberté. Donc, on comprend que déjà une dimension fondamentale de Pessah, c'est la liberté. Et donc, notre sujet, vous voyez, n'est pas trop loin de la réalité. C'est qu'en fait, parler de Pessah, c'est parler de liberté et de savoir que c'est un thème qui nous a entretenus, je parle du peuple d'Israël, pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, et qui nous maintient encore jusqu'à la Géoula Shelema. Alors, peut-on donner une définition de la liberté? Je l'essayerai. En quelques mots, simplement pour vous dire, lorsqu'une créature humaine est appelée à la vie dans ce monde, que dit le Talmud ? Akadosh Baruch Hu décide s'il sera faible ou fort. Il décide s'il sera riche ou pauvre. Il décide aussi s'il sera vif d'esprit ou faible d'esprit. Alors, où se situe notre libre arbitre ? Et la réponse, c'est dans l'accomplissement des mitzvot et dans le travail qui nous est proposé sur les qualités humaines. Tout est dans les mains d'Hachem, nous dit le Talmud, « Akol bide shamaim, chutz miyirat shamaim ». C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, cette libre arbitre qui nous est proposée a comme fonction fondamentale de gérer, on accepte ou on n'accepte pas la loi divine. C'est cette liberté qui permet à l'homme qui a péché de ne pas traîner à jamais sa faute, de s'en purifier s'il le veut. Un homme commet une faute, par le principe même de la tshuva, par ce même principe du libre arbitre de revenir, il peut effacer cette faute. C'est elle qui favorise le progrès des hommes, trop habitués malheureusement à croire que rien ne peut être changé. Combien de fois vous parlez avec des individus, ils ont l'impression d'être impuissants par rapport à votre société, par rapport à sa chevra. Et donc on comprend qu'il y a l'individu ne trouve plus sa place dans cette société comme étant un élément actif, déterminant. Et bien pour nous, pour Israël, il faut savoir que une personne qui agit librement se trompe. Il pense que je vais de mon plein gré accepter telle définition, quelle idéologie. Il fait ça en se détournant de la Torah. Il croit agir librement et il se trompe. En rejetant le joug de la Torah, il en accepte un autre. C'est celui d'une autre idéologie ou d'une autre conception. Quand ce n'est pas de l'arbitraire et du momentané, il rejette en fait le joug d'Hachem pour accepter celui des hommes. Pessah nous dit, nous sommes libres, choisissons la loi de Hachem, ainsi s'exprimait mon père, Zal, le grand rabbin Simon Morali. Alors, liberté était donnée à l'homme, à un peuple, à l'humanité, de se soumettre à la volonté divine afin de se soustraire à la contrainte de l'homme et à l'esclavage. Cette liberté renouvelée provient de notre fidélité à notre peuple, à la mémoire de cette libération. Et deux sujets principaux guident la soirée du Seder, vous le savez tous. C'est tout d'abord le souvenir de la sortie d'Égypte
et deuxièmement, le fait de la transmission aux générations à venir. Et alors, à titre de comparaison, puisque nous avons des amis américains, je me suis permis de prendre un exemple du domaine des États-Unis. Nous savons tous qu'il y a eu un bateau, le Mayflower, qui est venu et qui est arrivé. Et ce bateau a été synonyme après de liberté, de libération pour les États-Unis. Mais savons-nous qui était le chef? Ou encore, savons-nous qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ou combien ils étaient? Ou combien, quel jour s'est passé cet événement? Et les réponses, à part si c'est des spécialistes, je crois que personne n'est en mesure de les donner. Par contre, lorsque je parle de la sortie d'Égypte depuis plus de 3000 ans, je peux vous dire qui était notre guide, Moshe Rabbeinu. Je peux vous dire qu'est-ce que nous avons mangé, des pains azim, des matzot. Je peux vous dire combien nous étions, 600 000 âmes. Je peux vous dire la date, le 14 Nissan. Et vous voyez maintenant ce qui se passe. C'est que la sortie d'Égypte est non seulement un événement fondamental de liberté, mais il était fondamentalement inscrit dans notre histoire et dans notre inconscient collectif. L'espoir permanent d'un lendemain meilleur. J'évoque Pessah, j'imagine eh bien, qu'il y aura de nouveau une liberté, de nouveau une possibilité de sortir et d'avoir cette liberté. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire, puisque j'en ai encore une minute ou deux, sans exagérer. C'est l'histoire, en fait, d'une Agada Mahanaïm. Peut-être que les uns et les autres, vous avez déjà entendu parler de ce nom. C'est un monsieur Lazar Boazizal qui m'avait confié ce document. Et je voudrais vous raconter en deux mots de quoi il s'agit. L'histoire de cette Agada commence en 1940 avec l'exode d'Albert Neher et de sa famille qui quitte l'Alsace avec ses quatre enfants, Suzelle, Richard, Hélène et André, André Néer, le philosophe. Donc, c'est son père qui est en train de parler de cette Agada. Et à l'approche de Pessah 1941, rencontre Madame René Bernheim Néer dans l'introduction de la reproduction de cette Agada. S'apercevant qu'ils n'ont pas de Agada, ils décident d'en rédiger une. Elle traduira l'histoire de la délivrance. André Néer est le scribe et elle est illustrée par son grand-père. Donc, nous avons là une famille, deux familles, plusieurs familles qui sont rassemblées, qui n'ont plus de documents, ils réalisent de nouveau le travail de manuscrit, de réécrire une Agada pour garder à l'esprit toujours l'espoir d'Israël. Les trois autres Agadotes seront l'œuvre d'Albert Néer et de Nathan Samuel. Quatre Agadotes, comme nous disent nos sages, quatre, comme les quatre coupes du Seder, comme les quatre enfants d'Albert Néer, mais aussi comme les quatre dernières années de sa vie. La cinquième coupe, car vous savez qu'il y a cette tradition de cette cinquième coupe, eh bien, celle de la délivrance, il ne lui a pas été donné d'en profiter, de dire la bracha, puisqu'il est décédé le 18 janvier 1945. Comment ne pas percevoir l'espoir qui résidait dans cette famille, qui a décidé de réécrire une Agada, puisqu'ils n'en avaient pas, et une par famille, et chacun a eu le privilège d'écrire cette Agadote, Agadote Mahanaïm. Autre dimension que nous devons comprendre, eh bien, c'est le programme de cette soirée que nous allons passer ensemble. La sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, devait se passer dans un pays puissant afin de mettre en évidence si Dieu intervient. Il n'intervient pas pour une petite action. Il intervient Beyad Hazaka ou Zruya Netuya, c'est-à-dire d'un bras long et d'une main forte. Et ce seront les propos du professeur Claude Rivlin, que je remercie déjà, qui nous exposera dans quelques instants eh bien, toute la dimension de cet empire qui était l'Égypte, mais aussi de cet empire qui était aussi la maison d'esclavage. Par ailleurs, si nous comprenons le premier Pessah, nous comprenons qu'il y a bien eu cette dimension, mais alors à quoi bon avoir institué, les sages, la Torah, avoir institué un Pessah Sheni, une deuxième session de remplacement? Et c'est le Rav Daniel Dahan, que je remercie aussi, grand rabbin de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous exposera les différences de ces deux types de Pessah. Par ailleurs, le troisième intervenant sera le Rav Boschko, qui nous parlera, si l'on parle de liberté, il y a un autre terme qui est fondamental, c'est la notion de responsabilité. Eh bien, ça sera son objet de sa conférence. Mais au fond de nous-mêmes, nous aspirons tous à la délivrance. Le moment viendra de fêter Pessah au troisième temple. C'est le professeur Harry Afilalo de New York qui nous racontera ce à quoi nous aspirons à partir des textes de nos sages. Il nous apportera ainsi sa dimension. C'est pour moi l'occasion eh bien, de le remercier chaleureusement pour sa collaboration.
Enfin, nous terminerons avec David Chavouat, guide et pédagogue, sur la symbolique de Pessah dans l'histoire de la révolte de Massada et à la révolte du ghetto de Varsovie, puisque ces événements-là ont commencé le jour de Pessah. Et je voudrais simplement, pour terminer encore un point, une toute deux petites histoires. Je voudrais vous raconter une histoire de Rabbi qui est rapportée au nom de Rabbi Shlomo Karlbar et qui se situe dans le ghetto de Varsovie en 1943, la dernière nuit du ghetto. Moïse le questionne son père, Manishtana Laila Azek, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et il rajoute, papa, est-ce que c'est l'année prochaine? Je pourrais poser les mêmes questions, est-ce que tu seras là pour me répondre à mêmes questions? Et le père de répondre, je ne sais pas mon fils, je ne sais pas si tu seras là l'année prochaine, si je serai là pour te répondre, mais je sais qu'il y aura toujours un père qui répondra à son fils à la question de Manishtana Laila Azé, quelque part de par le monde. Et c'est cette espérance qui nous a amenés pendant plus de 2000 ans, 3000 ans, que nous allons essayer de comprendre ensemble, Netzar Israël, Lo Yeshaker, l'éternité d'Israël jamais ne sera démentie. Et c'est donc maintenant le moment de passer à nos conférenciers. Je voudrais tout d'abord remercier mon gendre Shmuel Lasri, qui assure l'aspect technique de cette soirée, Johan Bodbol, qui est responsable de l'Ilmod et qui anime avec moi cette soirée, et remercie aussi Michael Gross du groupe Gross, Bédo Gross, bien entendu, et un ami, Patrick Lévy, pour ses conseils. Merci au Hazan Claudenel et à Auriel Morali pour leur participation musicale. Je vous souhaite une bonne soirée, Hag Sameach, et nous aurons l'occasion de nous reparler tout de suite ensemble. Et je voudrais laisser la parole tout de suite au professeur Claude Rivlin, professeur de gestion à l'École des mines de Paris. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, très bien. Voilà, alors nous nous réjouissons de vous écouter depuis ici Israël, j'allais dire Jérusalem, mais ce n'est pas Medouillac, parce que j'habiterai à Nana, et c'est pour nous un grand honneur que vous ayez accepté de nous dire quelques mots. Et puis en même temps, c'est le public, eh bien, vous avez compris, aussi bien des États-Unis francophones que d'ici, qui participent à votre soirée. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. L'Égypte sera considérée dans le soir du Seder comme un pays d'esclavagistes et de tortionnaires. Donc, on va en dire beaucoup de mal. Et c'est, à mon avis, c'est une erreur profonde, car l'Égypte est un ingrédient fondamental de ce que le judaïsme a de meilleur. Et je vais essayer de vous le démontrer en parlant successivement de Hametz et Matzah, des richesses techniques de l'Égypte et de la manière dont ce mode de richesse conduit inexorablement à l'esclavage. Nous savons qu'il ne faut pas emmener de Hametz de l'Égypte. Nous fouillons actuellement nos maisons pour le chasser, mais il ne fallait pas emmener de Hametz, mais il y avait quelque chose qu'il fallait emmener. D'abord, pourquoi il ne faut pas emmener de Hametz? Parce que dans du pain levé, il y a toute l'histoire de l'Égypte. On ne savait pas isoler le levain dans l'Antiquité. Donc, on gardait de la pâte à pain non cuite qui contenait du levain. Mais ce levain venait du vin, du pain d'avant-hier et du pain d'avant-avant-hier, etc. Et toute l'histoire de l'Égypte était dans un pain levé. En revanche, et ça on ne le dit pas assez, Kadosh Baruch Hu a exigé avec une insistance incroyable que les Juifs emportent de l'or, de l'argent et des vêtements précieux dans leur départ de l'Égypte. Dieu le dit quatre fois. Une fois à Abraham Avinu dans Boré ben Abatarim, au chapitre 15 de Boréchit. Tes descendants resteront 400 ans dans un pays et ils en sortiront avec de grandes richesses. Dans le dialogue très fébrile entre Kadosh Baruch Hu et Moïse, au buisson ardent, à nouveau, Kadosh Baruch Hu dit et qu'ils emportent des objets d'argent et des objets d'or quand ils quitteront l'Égypte. Et l'annonce de la 9e plaie, à nouveau, il dit et n'oubliez pas, de grâce, n'oubliez pas d'emporter des objets d'or et d'argent. Et enfin, la nuit du départ, ils emportent des objets d'or et d'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, c'est le contraire du Hametz. Ce sont des substances complètement inaltérables.
Ce sont des métaux précieux et faciles à travailler parce qu'ils sont relativement mous, mais en réalité éternels. Et qu'est-ce qui va devenir cet or et cet argent? Le tabernacle. Donc on sait que la parole divine s'adressait à Moïse entre les deux chérubins qui étaient en or d'Égypte. Donc nous avons emporté d'Égypte la technique et la perfection de l'action de l'esprit sur la matière. Cette idée est partagée avec l'universel, avec les Grecs, avec les Umotaolam, les maîtres de la logique grecque, Aristote et Thalès, ont fait leur place en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est un pays parfaitement arrosé par les crues du Nil. Donc le pharaon, le roi de l'Égypte, domine complètement l'agriculture de son pays sans aucun aléa, parce que le Nil est alimenté par les pluies de l'équateur qui viennent du sud et qui sont d'une régularité immuable. Donc le pharaon est convaincu qu'il est un des pouvoirs, un directeur général de l'entreprise dont le président est Elohim. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que lorsque Moïse et Aaron vont voir le pharaon la première fois en lui disant, comme disent les négro-spiritueuses, Let my people go, il nous fait partir des Hébreux parce que Hachem Elohim nous a ordonné de te le dire. Et il répond, je ne connais pas Hachem. Vous remarquerez qu'il ne dit pas, je ne connais pas Elohim, car il le connaît très bien. Le pharaon n'est pas un athée, c'est un adorateur du Dieu de la logique, du Dieu de la technique, du Dieu, à vrai dire, qui règne encore sur notre monde. Et c'est par là que je conclurai. Donc, les Hébreux sont partis avec de l'or, de l'argent, et aussi une formidable expérience de ce magnifique pays qui était l'Égypte. Songez que les pyramides d'Égypte remontent de 3000 ans avant l'ère chrétienne, alors qu'Abraham Avinu, c'est 2000 ans. Donc, cette perfection extraordinaire de ces pyramides, on ne sait même pas comment ils ont fait pour les construire, est de 1000 ans antérieure à Abraham. Donc, quand j'ai mis dans le titre l'Égypte est la capitale de la technique, victoire de l'esprit sur la matière, c'est certain. Les Égyptiens n'étaient pas philosophes, ils n'étaient pas mathématiciens, mais c'était de formidables ingénieurs. Et émerveillés par ces richesses, les Grecs en ont déduit les mathématiques, la logique, ça c'est grec. Et en revanche, le travail efficace, le travail des pyramides, ça c'est égyptien. Seulement, quand on a une parfaite maîtrise de la matière, on ne tarde pas à tourner vers l'esclavage. Quelle est la première parole du Décalogue? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Il y a encore deux mots. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'es sorti du pays d'Égypte. Et il y a sûrement dans toutes les familles, un jour ou l'autre, un enfant qui, le soir du Seder, dit: pourquoi on remercie tellement à Kadosh Baruch Hu de nous avoir sortis d'Égypte, puisque c'est lui qui nous y avait envoyés? Jacob était très réticent pour aller s'installer près de son fils Joseph. Et Kadosh Baruch Hu l'a rassuré. Il lui a dit, tu vas aller en Égypte et tu deviendras un grand peuple. Donc le peuple hébreu a trempé dans la perfection technique de l'Égypte. Seulement voilà, les deux derniers mots de la première parole expliquent pourquoi il fallait en partir. Ni bête avadim de la maison d'esclaves. Observez que sur les images que l'on voit, les dessins que l'on voit sur les murs, les temples et les palais égyptiens anciens, tous les personnages ont le même visage. Ils ne diffèrent que par leur outil. Autrement dit, lorsqu'on domine la technique, on domine aussi les hommes qui sont transformés en instruments du pouvoir. Et ça, Dieu ne le supporte pas. Un autre symptôme tout à fait saisissant, c'est que les Égyptiens n'ont pas de nom. Entre Joseph et Moïse, il y a eu plusieurs pharaons, ils n'ont pas de nom, ils s'appellent pharaon. Le seul Égyptien qui a un nom, c'est Putiphar. Et comme sa fille adoptive a épousé Joseph, nécessairement, il fallait qu'il ait un nom. Parce que chez les Hébreux, comme d'ailleurs
chez les nomades de Mésopotamie, tout le monde a un nom. Regardez dans le Gilgamesh Esther, le moindre comparse est désigné par son nom. Donc il y a deux sortes de civilisations, les anonymes, logiques, et qui tournent inexorablement à l'esclavage, et les nomades qui négocient, qui sont voyageurs, qui sont commerçants. Et il est clair qu'Akejo-Maroko préfère les nomades. Il préférait Abel, qui était un berger nomade, à Caïn, qui était un agriculteur sédentaire, et il préfère la Mésopotamie à l'Égypte, tout en ayant le plus grand respect pour l'Égypte. L'Égypte est citée un nombre incroyable de fois dans la Bible et dans la Torah en particulier, parce que les Juifs y ont appris des choses absolument essentielles. Donc, la technique dans laquelle les Juifs excellent, je vous rappelle une statistique que je n'aime pas prononcer devant des non-Juifs, mais dans les prix Nobel scientifiques, il y a 20% de Juifs, alors qu'il doit représenter en moyenne, depuis que le prix Nobel existe, que 0,2% de la population mondiale. Donc, on a 100 fois plus de chances d'avoir un prix Nobel scientifique quand on est juif que quand on ne l'est pas. C'est proprement incroyable. Autrement dit, dans le judaïsme, la science, la technique, la logique ne sont aucunement antagonistes de la foi, de l'observance de la Torah, de l'obéissance au Hukim, c'est-à-dire des commandements incompréhensibles, mais qui sont essentiels, des rites tout à fait conformes à la vérité divine. Donc les Juifs ont un pied dans la sédentarité et un pied dans le nomadisme. C'est de là qu'ils tirent leur liberté. Vous remarquerez la situation géographique de la terre d'Israël, elle est entre l'Égypte et la Mésopotamie, qui ont été en guerre pendant toute l'histoire de la Bible. Et le sort des armes a tourné tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et que dit Jérémie? Surtout ne vous appuyez pas sur l'Égypte, parce qu'elle vous rassure, parce que c'est la Mésopotamie qui détruira votre temple. Conclusion, les Juifs doivent garder un équilibre tout à fait précaire, tout à fait dangereux, entre ces deux modalités de l'homme, entre la maîtrise de la logique et la maîtrise de l'amour d'autrui. En fait, ils se sont trompés dans les alliances et Jérémie avait raison. Cela étant, cette histoire est parfaitement moderne. Nous portons une véritable adoration à la logique. C'est l'apport du siècle des Lumières, puisque les gens s'étaient entretués au cours de guerres de religion et des penseurs comme Galilée ou Descartes ont dit « il ne faut plus s'entretuer, il faut se réunir autour de vérités indiscutables ». Galilée a été jusqu'à dire « Dieu est mathématicien ». Il n'a pas tout à fait tort, c'était la religion du pharaon, mais il a oublié de dire que Dieu est aussi le Dieu de la miséricorde, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'amour, celui qui présentait à Moshe en disant « Ayez, Asher, ayez, je vous accompagnerai dans toutes vos misères ». Mais ces misères ne sont pas sans but, parce que nous avons la mission de réconcilier les sédentaires et les nomades. Et observez que de nos jours, les sédentaires ont triomphé, mais le Dieu de la morale, le Dieu de la singularité des noms et des visages est toujours problématique. Au moment même où on découvre les bosons de Higgs et les ondes gravitationnelles, je demande d'ailleurs ce que le commun des auditeurs peut comprendre à ça. Des millions de gens se noient dans la Méditerranée et on massacre abominablement en Syrie, en Afghanistan et dans plusieurs régions d'Afrique. Donc l'amour du prochain n'est pas du tout pouvoir et les Juifs doivent subir l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme est une source très claire par rapport à ces deux pôles. Les hommes sont les uns sédentaires, les autres nomades, et les sédentaires ont peur et détestent les nomades, et les nomades détestent et ont peur des sédentaires. Regardez les nazis, c'était les juifs d'apatrides, ils ont massacré aussi les tziganes. Quel rapport entre les juifs et les tziganes? À peu près rien, mais ils ont comme référence le mouvement. Et quant aux arabes, qu'est-ce qu'ils reprochent aux juifs? D'être sionistes, c'est-à-dire sédentaires, de s'incruster dans une terre qu'ils déclarent être leur propriété. Autrement dit, le juif est le sédentaire du nomade et le nomade du sédentaire.
eh bien, la vie, le destin du peuple d'Israël depuis Abraham Avinu. C'est d'osciller entre ces deux pôles, puisque Abraham a dû aller en Égypte pour éprouver la sédentarité et revenir avec des richesses. Observez que parmi les maîtres des Juifs, il y a Moïse, qui a passé 40 ans à la cour du Pharaon, et Joseph avant lui, qui avait été un premier ministre d'Égypte. Donc l'Égypte nous apporte de grandes leçons, mais surtout une leçon, c'est que si on adore la technique, on finit par retirer leur nom et leur visage aux hommes et les réduire à des instruments, c'est-à-dire à l'esclavage. Que Dieu nous en préserve, mais aujourd'hui, il y a toujours en nous une part d'esclavage, puisque nous sommes au service d'une civilisation qui apporte une adoration à la raison et à la science. Il faut nous en libérer, et c'est ce que nous apprenons dans la soirée du CDR. Merci de votre attention. Daraba, merci beaucoup à Monsieur Rivlin. Vous êtes en direct de Paris et un grand, grand merci pour vos propos. Ce soir, le Rav Morel a décidé d'appeler cette soirée Pessah, votre passeport pour la liberté. Et ça tombe bien parce qu'on va se connecter à différents endroits. On finit, on remercie encore une fois Monsieur Rivlin qui était depuis Paris. Et on va maintenant passer au Rav Daniel Dayan. Rav Daniel Dayan, est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Voilà. Je rappelle Rav Daniel Dayan, Dayan, excusez-moi. Oui, parce que si vous écorchez mon nom, je me sauve. Non, excusez-moi. Alors, je rappelle Rav Daniel Dayan, vous êtes le grand rabbin de Lyon et également le grand rabbin de la région lyonnaise, des alentours. Et ce soir, vous allez nous parler d'un sujet qui est tellement actuel, de la place du collectif face à la place de l'individu. On en a beaucoup entendu parler en ce moment à cause du corona, des sacrifices que l'individu doit faire face pour sauvegarder la collectivité. Et ce soir, c'est un petit peu le thème, peut-être pas face au corona, mais c'est le thème de Pessah Sheni que vous allez traiter. Un grand, grand merci. Donc, je rappelle, Rav Daniel Dayan, en direct de Lyon, pour cette magnifique soirée. Bechavod. Merci pour votre introduction. Merci à mon excellent ami, le Rav Sadia Morali, de m'avoir embarqué dans cette aventure Zoom, puisque évidemment, on est devenu connecté depuis le corona et c'est peut-être le seul bénéfice qu'on en tirera, c'est le Zoom. Et peut-être aussi le prix que l'on collectif pour la sauvegarde de la collectivité en essayant de maintenir tout, autant que faire se peut les droits de l'individu. Les contingences de l'individu face au collectif, Pessah Sheni, une session de rattrapage. Voilà, c'était comme ça qu'on avait voulu cette appellation. Et ça fait référence à un épisode célèbre qui est rapporté dans le Livre des Nombres, dans Bamidbar, chapitre 9, versets 6 et suivants, où on nous dit Vayu Anashim, Vayu Anashim, Ashirayu Temeim, Lenef Shadam. Il y avait des gens qui étaient impurs. Impurs, c'est-à-dire que, et Rachid explique, c'était les personnes qui avaient porté le cercueil de Joseph. Et Pessah arrive, le premier Pessah, et ils ont dit nous, on aimerait bien aussi faire Pessah, mais on a un petit problème. On est devenu Tmémet, on a approché un mort. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Moshe Rabbeinu Moïse ne sait pas quoi faire. Il dit, il faut que je pose la question au beau Dieu. On dit, on va faire une session de rattrapage. Et la question qui se pose tout naturellement, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là? Le Talmud en Psachim en 79 dit que si la majorité de la collectivité est impure, alors, nonobstant le fait que normalement, on ne devrait pas apporter le Corban de Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, eh bien, on va l'apporter. Si ce n'est qu'un individu ou la minorité du tzibour, du public, je vous passe sur les détails de savoir est-ce qu'il s'agit de tout le public ou d'une seule tribu, est-ce que c'est considéré déjà comme un public en soi. Alors, ils se devront de faire le Pessah Sheni, la session de rattrapage, donc le 14 Iyar. Il va de soi, et c'est important de préciser, que les règles inhérentes à Pessah restent. L'interdiction de consommer du Hametz
l'obligation de consommer de la matzah, les interdits liés aux travaux, les jours de fête. Tout cela reste, de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Par contre, ce qui va pouvoir varier, c'est effectivement le fait de devoir ou non faire un sacrifice en deux. Pessah, c'est une date particulière. D'ailleurs, la première mitzvah de la Torah, le premier commandement, c'est la sanctification du mois. Et on le voit dans Parashat Bo, en Exode 12, où il est dit « Achodesh Azelachem Rosh Chodashim ». Ce mois est pour vous le premier des mois. Et la question qui se pose à ce sujet, puisque là-bas, on nous donne l'ordre de faire le sacrifice de l'agneau pascal, c'est un agneau, un bélier, qui constitue l'idole de référence des Égyptiens à ce moment-là. N'oubliez pas que le signe du zodiaque du bélier pendant lequel se passe la fête de Pessah, donc ce n'est pas anodin. Et puis, il y a toujours la notion de baït, de maison, de groupe, qui revient de manière récurrente dans le texte de la Torah. Plusieurs fois, 12 fois, si je ne m'abuse, eh bien, on rapporte le fait que ça doit se faire dans un groupe, le groupe, le groupe, le groupe, le groupe. Le groupe est total, il est presque annihilant, mais on n'oublie jamais l'individu. Et c'est la difficulté, je crois, de toujours trouver un équilibre entre l'individu et le groupe. Le groupe, eh bien, est important, mais il ne doit pas dénier ses droits à l'individu, qui, lui, en contrepartie, doit toujours avoir ses devoirs envers le groupe. C'est le symbole de la de l'éternité d'Israël. La lune n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Et paradoxalement, plus la lune brille, et plus elle va s'éclairer. Et nos maîtres nous disent que ça fait référence au fait que Yaakov Avinu, Jacob, notre patriarche, a reçu dans l'héritage le Olam Haba, le monde futur. Le monde physique a été donné à son frère Esav, Esaü. Et que donc, en réalité, plus Yaakov s'éloigne de Esav, et plus il va éclairer, plus il va briller. Eh bien, Pessah, c'est la négation de l'idolâtrie et c'est le moment où Israël peut trouver le moyen, vraiment le moyen de briller. C'est une spécificité qui lui est donnée. Paradoxalement, Pessah Sheni, c'est aussi une spécificité. C'est le seul cas dans la Torah où il y a une session de rattrapage. On ne peut pas faire Pessah à ce moment-là, pour des raisons bien précises, des cas de force majeure, parce que si ce n'est pas un cas de force majeure, eh bien l'individu est retranché du clal, retranché du groupe, il est retranché, il n'a plus part dans l'histoire d'Israël, c'est la peine de carré. Et là aussi, on nous montre que, paradoxalement, l'individu a un libre arbitre qui lui est donné, alors que le collectif lui est toujours dirigé. Et c'est pour cela d'ailleurs que, à propos du collectif, Dieu dit « Ubeyad Chazaka, avec une main forte, je les ai sortis d'Égypte. » Donc, le Pessah Rishon, le premier Pessah, fait référence de manière latente au collectif, alors que le Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage, ne fait référence qu'à l'individu. D'ailleurs, Pessah, dans son état idéal, ne peut se consommer que par une chaboura, un groupe. Et il ne peut pas y avoir un individu tout seul qui consommerait le Korban Pessah. Le Meshach Chochma, Rabbi Simcha Cohen de Dwinsk rapporte dans son commentaire sur la Torah le fait que avant Matan Torah, avant le don de la Torah, si quelqu'un est méritant, il n'avait pas besoin d'un lieu spécifique pour se relier à Dieu. Comme il est dit dans la Torah, en tout lieu où tu viendras et tu rappelleras mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais dès que le Vaudor arrive, patatras, c'est la chute. Et là, on a besoin du Mishkan, du lieu de résidence. Donc, on sait bien que le collectif, c'est une agation, un agrégat, un rassemblement d'individualité. Paradoxalement, il ne peut jamais y avoir de carrette
de retranchement pour le collectif. Il ne peut exister que pour l'individu. La preuve en est, dit en préambule, c'est que si jamais le collectif se trouve, pour une raison ou pour une autre, en état d'impureté rituelle, la majorité du collectif, eh bien, on va faire le Corban Pessah. On va apporter le sacrifice de l'agneau pascal. La première année de la sortie d'Égypte et la 40e année, la dernière année, avant qu'on rentre en Eretz Israël. Pendant 38 ans, il ne va pas y avoir de Corban Pessah. Pour une raison toute simple. Il y a eu le veau d'or. Et puis donc, à cause de ça, il y a eu aussi les explorateurs, les Meraglim. Et donc, il n'y aura pas de Brit Mila de circoncision. L'alliance n'ayant pas... bien, il ne peut pas y avoir de ça qui puisse être donné. Pessah Sheni, c'est aussi la marque de l'échec. Il ne faut pas se leurrer. Si on est obligé d'apporter le Pessah Sheni, le second sacrifice de Pâques, c'est qu'on n'a pas pu apporter le premier. On a donc échoué. C'est la session de rattrapage. Et le Zohar pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus important ? Le Pessah Rishon ou le Pessah Sheni ? Le premier Pessah, celui que l'on fait en groupe, le 14 Sivan, Nissan, pardon. Ou alors celui de l'individu qui a loupé le train de secours, le Pessah Sheni, le 14 Iyar. Et la réponse, elle est la suivante, c'est naturellement le Pessah Rishon, le premier Pessah qui va primer. Et ça fait référence à une autre problématique, de savoir si finalement le Baal Teshuvah, le repentant, est plus important que le Tzadik Gamour, le juste parfait. On connaît tous cet aphorisme du Talmud qui nous dit que comme chez Baal Teshuvah Omdim, là où se trouvent les repentants sincères et purs, eh bien, les justes parfaits n'ont pas leur place. Et ça peut paraître d'un côté encourageant, mais d'un autre côté déprimant. Quoi ? On favoriserait le fauteur qui va se réparer sa faute par rapport à celui qui n'a jamais fauté. Problématique, elle est peut-être un peu différente. L'idée est que la plus grande difficulté, c'est pour celui qui a goûté à la faute et qui va s'en séparer. Comme le dit le Rambam Maïmonide, qu'est-ce que le Baal Teshuvah ? C'est celui qui va se retrouver dans la même situation, dans les mêmes contingences, et qui va, malgré tout, réussir à ne pas trébucher. Et celui-là, il est loué, encensé. On considère qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. A contrario, celui qui n'a jamais fauté, il roule sur une autoroute connue de panne. Donc, c'est merveilleux. D'un autre côté, on ne trouve pas non plus de possibilité de connaître la mécanique de sa voiture si on n'a jamais connu la panne. Donc, il y a un négatif pour tout ça. Pour conclure cette discussion qui se trouve dans le Targum, on sait que la Mishnah avait dit juste avant qu'on doit commencer Bignout par les aspects négatifs de l'histoire d'Israël, la Haggadah, ou Mesayimim Bishvar, et terminer par l'apothéose, ce que constitue la sortie d'Égypte, le don de la Torah, et évidemment l'aboutissement final, l'entrée en Eretz Israël. Rav, on doit commencer par Mitechila Ovde Abodazara Ayu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et je me dis, non, on ne doit pas commencer par ça, on doit commencer par Avadim Aynu. On était des esclaves. Ragmara continue et dit que Rav Nachman a posé à Daru, son serviteur, enfin son esclave, soyons francs, il lui dit, un esclave et qui de surcroît lui donne de l'or et de l'argent, comment est-ce qu'il doit réagir ?
Alors, Dao a répondu, bah, il doit le remercier, le louer, l'encenser. Et il lui a dit, bah, avec ça, tu nous as dispensé de dire Nishtana, et il a commencé la Haggadah. Alors, ce passage est étrange, parce que... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est simplement Shmuel qui te met le texte que tu évoques. Et tu m'as fait peur, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, mon ordinateur à un écran comme ça? Non, et donc, c'est un ordinateur intelligent. Waouh! Marabouma, c'est HHM. Bon, bien. La problématique qui se pose, c'est en vérité, nous disent nos maîtres, de savoir qu'est-ce qui prime, la liberté physique ou la liberté spirituelle. Et c'est ça la problématique qui nous est posée. Comment fait-on pour savoir qu'est-ce qui est le plus important? Pour Rav, il va de soi que c'est la liberté spirituelle. Parce que à quoi cela sert-il d'être libéré de l'esclavage d'Égypte si on reste des ofdei avodah zara, des idolâtres? Shmuel dit non, c'est la liberté physique, car quand bien même aurait-on l'esprit libre, si on est attaché par des chaînes, on ne peut pas exercer. La réponse, elle est dans le fait qu'on se doit de dire les deux. On va dire « Terach avi Abraham » et on va dire aussi « Avadi ma'inu », nous étions des esclaves. Mais… c'est une problématique qui nous est posée et qui doit nous interpeller encore aujourd'hui. Eh bien, le collectif a sa raison d'exister. Il ne peut pas nier les droits de l'individu, mais tout à chacun se doit de savoir qu'il est embarqué sur un bateau qui l'oblige. Et comme disait notre maître le Rav Shushna, eh bien, un juif a des devoirs. Et je crois que c'est peut-être cela ce qui fonde de l'humanité. On a une communauté de devoirs. D'ailleurs, Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetsivanu. Dieu ne nous demande pas notre avis, il nous ordonne. Nous avons des devoirs. Mais je crois que lorsque l'on a compris que ces devoirs sont nécessaires pour le bien commun, et que donc, ipso facto, nous en profitons nous aussi, bien, lorsque tout à chacun fait son devoir, nul n'a plus besoin de réclamer ses droits et l'on vit dans une société que l'on peut qualifier idéale, je dirais presque, ce sont les temps messianiques que nous appelons de nos voeux. Chag Sameach à toutes et à tous. Cher, voilà, vous m'avez redonné la possibilité de parler. Alors, un grand, grand merci à Rav Daniel. C'était nous remettre dans un contexte d'il y a quelques années où nous avions le plaisir d'écouter tes drachotes quand j'étais à Nancy, et c'est toujours avec plaisir que je suis tes enseignements. Alors écoute, une bonne fête de Pessah, merci à toi, et que nous ayons toujours le plaisir de nous retrouver comme ça pour des smachot. J'invite tout de suite Claude Nel, s'il est présent. Amen. Merci. Claude Nel. Ah, santé alors, Claude. Mais voilà, exactement, c'est notre partie musicale avec Claude Nel qui va interpréter deux morceaux de la Hazanout Ashkenaz d'Alsace-Lorraine. Simplement, est-ce qu'il est présent quelque part? Je ne le vois pas, moi, pour l'instant. Il est là. Alors, viens. N'hésite pas, tu le vois pas à te présenter. Tu peux commencer. Claude? Ouvrir le micro. Claude, il faut ouvrir la Matslema et il faut ouvrir aussi Matslema et le micro. Rav Morali, j'ai l'impression que M. Onel a un problème de connexion. Est-ce que tu veux qu'on passe à la suite et on fera l'intermède musical plus tard parce qu'il n'est pas connecté, il se déconnecte. Alors, est-ce que tu… Deux secondes, on essaye encore une fois, une minute, parce qu'on me dit qu'il est présent. Il est présent simplement, mais qu'il se signale. Il faut ouvrir le micro. Alors, voilà. Voilà, on vous voit.
On vous voit. Ouvrez votre micro. Ah, voilà, très bien. Ouvrir le micro. Claude, ouvrir le... tu dois ouvrir ton micro. Très bien. Oui, tout l'air. Voilà, on t'attend maintenant. Par contre, je avance, j'ai des coupures incessantes. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des coupures incessantes sur mon Internet. Donc, on va essayer. J'avais doublé sur le téléphone. Je vais couper le téléphone. Voilà. Bien. D'abord, merci Sadia de m'avoir invité. Je voudrais saluer tout le monde. Il y a plein de visages connus. En particulier, si je peux me permettre, le nouveau grand rabbin de Lyon et de la région, mon ami Daniel Dahan, que j'ai plaisir à retrouver. Et je sais, pour le connaître depuis quelques années, que l'avenir de la communauté de Lyon continue à être en de bonnes mains. Voilà, donc à la demande de Sadia, je vais vous interpréter deux chants. Il m'a suggéré, et j'ai bien sûr obtempéré immédiatement, de chanter Hodul Hashem Kitov, suivi du dernier paragraphe de Echad Miodea. Alors nous commençons avec Hodul Hashem Kitov. Hodul Hashem Kitov, ki le'olam chasdo, yomar no Yisroel, ki le'olam chasdo, yomru no besaron, ki le'olam chasdo, yomru no Yirei Adoshem, ki le'olam chasdo. Et sans transition, la dernière partie donc de Echad Miodea, je voudrais dédier ces chants de Pessah à mon ami le rabbin Yitzhak El Haddad, en lui souhaitant à lui ainsi qu'à tous les malades refoua shlema. Shloshosor mi yodeya, shloshosor ani yodeya, shloshosor midayo, shneimosor shivtayo, achadosor kochvayo, asoro dibrayo, tisho yacheledo, shmono yemei milo, shivo yemei shapso, shisho sirei mishno, chamisho chumshei soro, arbaimos, shloshovos, shenei luchos abri, Echad Elokeinu, 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 Sheva Shomayim Uvoretz. J'espère, Sadia, que je n'ai pas dépassé le temps que tu m'avais donné. Le micro. Votre rave, Rav Sadia, votre micro. Toda Rabba, monsieur Onel, c'était un plaisir de vous entendre. Rav Morali, vous voulez dire un mot? Beseder Gamour, alors on va continuer, un grand merci, et on se dirige tout droit vers Kochav Yaakov, on reprend la route, on réutilise notre passeport pour la liberté. Et on dit Erev Tov au Rav Shaul David Bochko. Vous pouvez, votre micro est ouvert. Erev Tov, Rav. Erev Tov, Pesach Kasher Vesameach à tous. Ça fait plaisir de vous trouver ce soir. Je vous rappelle que vous êtes Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Echal Eliaou, au nom de votre grand-père, Zecher Tzadik Livracha. Et ce soir, vous allez parler d'un thème qui est tellement, tellement approprié à vous. C'est un thème sur lequel vous revenez souvent, le thème de la liberté et de la responsabilité. Bechavod, Ravotchko. D'abord, shalom, shalom à tous. Alors, nous allons fêter dans quelques jours la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est la liberté. Et cette liberté, finalement, n'en est pas une. Car Moshe Rabbeinu va chez Pharaon et dit, « Shalach et ami veyavduni, envoie mon peuple et qu'il me serve. » Abdout, on sort d'un esclavage pour un autre esclavage. Alors, comment comprendre cela? D'ailleurs, Paro a averti les enfants d'Israël et leur a dit Kirapenehem, eh bien, c'est mauvais ce qui vous arrive. Rachid nous dit que
Pharaon a vu dans ses, dans sa mystique, il a vu qu'il y avait une étoile qui s'appelait Ra'a, qui va leur faire du mal. Et lorsque Moshe Rabbeinu va demander à Dieu d'épargner les enfants d'Israël après qu'ils ont fait le veau d'or, eh bien, il va dire à Kadosh Baruch Hu, eh bien, les goyim vont dire « Kibara, c'est à cause de cette étoile de malheur que Dieu les a sortis d'Égypte. » Que signifie ce midrash? Ce midrash signifie que la sortie d'Égypte n'est pas facile du tout pour le peuple juif. Il passe d'un esclavage à un autre. Et il faut essayer de comprendre. Parce que être homme, c'est être libre. Et vous savez que Dieu a créé Adam et Chava, mais ils ont tout de suite fauté. Pourquoi ont-ils fauté? Alors le Midrash nous dit qu'ils ont fauté le sixième jour de la création. Ce n'est pas qu'ils ont fauté le huitième jour de la création. Ils ont été créés et tout de suite ils ont fauté. Ce qui nous enseigne que la faute qu'ils ont faite faisait partie de la création. Parce que Adam et Chava ont choisi la liberté. Ils ont voulu être des êtres libres et par conséquent, ils ont choisi de manger de fruits qui allaient leur ouvrir le Yetzer Hara, qui allaient leur ouvrir la possibilité de faire du mal et qu'ils soient ainsi des gens qui peuvent et qui doivent choisir. Alors maintenant, on sort d'Égypte. Pourquoi? Pour être esclave. Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors que nous savons que le Midrash nous explique « Al tikra charut al aluchot » et la chirut. La Midrash nous explique que les tables de la loi sont gravées sur les pierres. Alors on nous dit, il ne faut pas lire le mot gravé, chirut, mais il faut lire chirut. Ces tables de la loi, eh bien, nous offrent la porte à la liberté. Alors la première explication, c'est qu'on est libéré de tous les autres esclavages. On n'est pas esclave, on n'est plus esclave de l'Égypte, on n'est plus esclave peut-être de nos penchants, on est esclave d'HaKadosh Baruch Hu qui est peut-être la véritable liberté. Mais on va encore donner une explication supplémentaire pour bien comprendre pourquoi vivre selon la Torah, c'est chérout, bien que ça soit charout, c'est libre, bien que ça soit gravé. Et nous allons expliquer que ce gravage n'est pas un gravage absolu et qui va nous laisser un choix et une responsabilité dans notre vie. Alors d'abord, expliquons d'abord pourquoi cette vie selon la Torah eh bien, n'est pas considérée comme un esclavage, comme une espèce de torture, quelque chose de très, 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 très difficile. Pourquoi? Parce que le Zohar nous enseigne que Dieu a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Qu'est-ce que signifie cet enseignement? Il n'y a pas besoin de regarder dans aucun livre à Kodesh Baruch Hu pour créer le monde. Le livre lui-même, c'est lui qui l'a écrit. Alors, l'explication est la suivante. C'est qu'il a créé un monde, si l'on vit selon la Torah, on vit bien. C'est-à-dire que la vie selon la Torah, eh bien, c'est vivre d'une manière qui convient à l'homme. C'est ainsi que Rabbi Akiva nous raconte l'histoire du renard, cette histoire très connue d'un renard qui disait aux poissons, sortez de l'eau, il y a des pêcheurs partout qui veulent vous attraper. Alors les poissons ont dit, renard, on dit que tu es intelligent, en fait, tu veux nous attraper. Parce que si déjà dans l'eau qui est notre milieu de vie, nous sommes en danger, en dehors de cette eau, à plus forte raison. C'est-à-dire que vivre le Nimshal, le parabole vient nous enseigner que vivre selon la Torah, c'est vivre. Et hors de la Torah, eh bien, la vie n'est pas vraiment une vie. C'est ainsi que dans la parasha de Ekev, on nous dit « Va'ata Yisrael, et maintenant Yisrael, ma Hashem elokei rachon mimar, qu'est-ce qu'Hashem Dieu te demande de toi ?» Qui me dira, si ce n'est de craindre, d'aimer Hachem, de suivre tous ses commandements, etc., etc. Alors, la Gemara pose la question, mais ce n'est pas peu de choses, c'est beaucoup de choses. Aimer Dieu, le craindre, suivre tous les commandements. Alors, je ne vais pas vous dire la réponse de la Gemara, je vais dire une réponse toute simple. C'est la fin du verset. La fin du verset, c'est le Tovlach. C'est pour ton bien.
ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Il ne te demande pas de monter l'Himalaya. Il ne te demande pas de faire des jeûnes tous les lundis et jeudis. Il ne te demande pas de souffrir. Vivre selon la Torah, c'est vivre avec un équilibre extraordinaire entre les besoins matériels et spirituels dont a parlé tout à l'heure le Rav Daon. À dire que l'être humain a des besoins et spirituels et matériels. Et si nous vivons selon la Torah, eh bien, on a la réponse à nos besoins spirituels et à nos besoins matériels. Et c'est ainsi qu'on peut vivre dans un grand bonheur. Alors, la Torah, eh bien, c'est quelque part comme notre eau qui nous permet de vivre. Nous sommes tous obligés de respirer pour vivre. Nous sommes tous obligés de manger pour vivre. Alors, c'est un esclavage. On doit respirer. C'est un esclavage. On doit manger. C'est un esclavage. Il y a tant de choses qu'on est obligé de faire pour pouvoir vivre. Personne ne pense que c'est un esclavage. Pourquoi? Parce que c'est le cadre nécessaire pour pouvoir exister. Alors, dans ce contexte-là, vivre selon la Torah, eh bien, c'est vivre bien. Mais finalement, la question revient, où est notre liberté? Alors, on peut dire notre liberté, c'est finalement d'obéir ou de désobéir. Alors, parce que personne ne m'empêche de désobéir. Je choisis finalement d'être esclave. Alors, un esclavage choisi n'est pas un véritable esclavage. Alors, ça, c'est une première explication. Mais on va donner une deuxième, et qui me semble très, très, très importante. La Torah, 613 commandements, beaucoup, beaucoup de détails. Ah, on a dans quelques jours la soirée du Seder. Alors, il y a tout un ordre. Quand il y a Kadesh, Urchat, Karpas, on a presque chaque minute, eh bien, et c'est minuté. On a terminé à Chatzot, à minuit. Alors, où est la liberté dans tout cela? Eh bien, même la nuit du Seder, et bien des mitzvot, nous allons voir que nous avons une liberté très grande de comment la faire et de comment l'appliquer. Et que finalement, beaucoup va dépendre de nous. On va prendre le seder, puisque c'est en quelques jours le seder. On peut faire le seder en un quart d'heure. On boit du vin, on fait kiddush, on lit la Agada. On boit du vin encore une fois, manger, on peut prendre un peu plus de temps, on fait le Birkat Amazon, on lit le Hallel, en une demi-heure, tout est expédié. C'est possible de faire comme ça le Seder. On a accompli toutes les mitzvot, on a mangé du la matzah, on a mangé du maror, on a bu les quatre coupes de vin, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais en fait, on n'a rien fait du tout. Alors, il y a des circonstances où c'est un super Seder. Par exemple, des soldats et qui doivent défendre et puis qui prennent un petit 20 minutes pour pouvoir faire le seder. C'est extraordinaire. Alors, la Torah nous donne pour la plupart des mitzvot le cadre minimal. Alors, on va donner encore d'autres exemples pour illustrer cela. Cette liberté extraordinaire qui existe en nous dans la pratique des mitzvot. On a 613 mitzvot, mais finalement, dans chacune de ces mitzvot, nous avons notre responsabilité à nous, comment la vivre, comment l'appliquer, et dans des circonstances où il y a des valeurs qui s'entrecoupent, qui se contredisent, eh bien, on doit faire des choix. Et ces choix, c'est une grande responsabilité. Prenons un exemple de ces choix que je crois les hommes ont fait en France, en Israël, où quelque part, les gens ont un petit peu avancé. Il y a une maladie du corona qui a attaqué le monde entier. Eh bien, il y avait la plupart, en tout cas au début, la plupart des malades étaient des personnes très âgées. On a arrêté toute l'économie pour que les personnes âgées ne meurent pas. C'est un choix qui aurait pu être différent. On aurait pu dire, c'est âgé, il n'y a pas de place dans les hôpitaux, on va leur donner quelque chose pour qu'ils ne souffrent pas, et puis qu'ils s'en vont tranquillement.
Non, on a tout fait pour les sauver. On a soigné des gens de plus de 90 ans et certains d'entre eux sont sortis de la maladie grâce aux soins qu'ils ont reçus. C'est un choix que l'homme a fait. Et en France, les écoles sont ouvertes. En Israël, elles ont été fermées. C'est un choix. C'est un choix moral que l'on fait et on ne peut pas le trouver dans un livre. C'est un choix où l'homme a toute sa responsabilité. Alors, on va reprendre des exemples par des mitzvot plus classiques. Prenons l'exemple de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, eh bien, on nous dit d'un côté, dans le Sefer de Josué, tu l'étudieras jour et nuit. Eh bien, la Gemara dans Menachot nous dit, il ne faut pas prendre ce texte à la lettre. Yom Balayla, ça ne veut pas dire tout le jour et toute la nuit. Ça veut dire un petit peu le jour, un petit peu la nuit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, quelqu'un qui a lu le Shema le matin et le Shema le soir, il a accompli la mitzvah d'étudier la Torah. On étudie tous un petit peu plus que cela. Parce que l'on comprend bien que ce que la Torah nous a dit, c'est le minimum. Alors c'est à nous, selon nos possibilités, nos capacités, notre vie, finalement de choisir. Combien de Torah je vais étudier? Combien de temps pour le travail? Le travail est une mitzvah. La Torah est une mitzvah. Et puis, je dois combiner ces deux mitzvot très importantes. Alors, il y a certains qui vont faire d'autres études et qui vont... Monsieur Rivlin, que j'ai le plaisir de revoir après tant d'années, eh bien, on peut faire... nous a rapporté le nombre de prix Nobel juifs, c'est-à-dire utiliser cette intelligence pour faire du bien pour l'humanité. Et puis d'autres vont utiliser ce temps pour d'autres mitzvot, comme celle d'étudier la Torah et d'éduquer, etc. C'est un choix que chacun doit faire et que personne ne peut faire pour autrui. Donc l'étude de la Torah, ça peut être du matin au soir, et ça peut être un chapitre le matin et un chapitre le soir. C'est au choix, à la responsabilité de chacun. Prenons la mitzvah de tzedaka. Alors, certains de nos maîtres disent qu'il faut donner 10%, c'est une obligation de la Torah. D'autres disent même 20%. D'autres disent, non, ça c'est mesure de piété. Il suffit de donner un shekel par année pour avoir accompli la mitzvah. C'est comme on l'a, l'alakha. On peut choisir. On peut choisir. Ça dépend aussi des capacités des gens. Celui qui a de petits moyens, eh bien, qui va donner peut-être 1% de ce qu'il a, ça serait extraordinaire. Et c'est de nouveau, la halakha, finalement, n'a pas tout fixé. Elle a laissé une marge extrêmement importante à l'homme et c'est là que s'exerce la liberté de chacun. Je ne peux pas choisir vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, la Torah nous l'a donné dans les 613 commandements. Il y a des limites à droite, des limites à gauche, des choses que l'on ne peut pas faire et que l'on ne veut pas changer. Mais à l'intérieur de ces mitzvot-là, nous avons une marge extraordinaire où l'homme peut réaliser sa propre liberté. Alors c'est ainsi que notre sortie d'Égypte, on va conclure que notre sortie d'Égypte, eh bien, c'est sortie d'Égypte pour recevoir la Torah, parce que la Torah nous permet de vivre selon le plan divin, et c'est ainsi qu'on peut arriver au bonheur. Et dans cette Torah que nous avons reçue, avec le Shulchan Aruch extrêmement détaillé, nous avons une marge extrêmement importante pour accomplir et vivre notre judaïsme, et ainsi d'être des êtres humains à 100%, parce qu'un être humain est un être qui est libre. Voilà, Chag Sameach à tous, et que des bonnes choses. Voilà, à tout le monde. Et bonne santé. Alors, Shaul David, un grand merci à vous. Je crois savoir que vous avez participé à plusieurs Zoomim, si le terme existe, plusieurs Zoomim aujourd'hui. Et donc, je voulais vous dire, Kol HaKavod à vous d'avoir encore la patience
de nous adresser quelques mots, de nous avoir donné cette force de la Torah ce soir. Chag Sameach et à une prochaine fois. Merci, merci à vous. Merci. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Monsieur Henri Afilalo. Alors, je ne sais pas si je dois lui parler en français ou en anglais. En français, absolument. Voilà. En tout cas, vous dire que je suis très, très heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur de droit, mais ce n'est pas vraiment à ce titre-là que vous êtes là. C'est surtout parce que vous êtes représentant d'une président d'une communauté francophone à New York. Je peux la citer, le West Side Sephardite Synagogue à Manhattan. Et je dois vous dire que depuis plusieurs semaines que nous avons commencé à prendre contact, ça a été un contact tout à fait chaleureux. Et je me réjouis ce soir que vous participiez pour nous parler de Pessah au Troisième Temple. Vous avez compris pourquoi ? Parce que c'est notre but, notre rêve de refaire ce Pessah, ce Corban Pessah au Beth Amikdash HaShishi. Nous voulons en savoir plus. Avant de vous donner la parole, je crois qu'il y a Laurent, qui est aussi de New York, qui voulait vous dire un petit mot. Alors, est-ce que Laurent est là ? Est-ce qu'il a ouvert son micro et il est prêt à parler ? Oui, Saïda, tu m'entends ? Oui. Eh bien, bonjour à vous tous. Ça me fait très plaisir de pouvoir introduire mon ami Harry, mais juste avant, je voulais juste dire que on parle de Pessah et Sadia, tu es mon oncle, hein, si je peux me permettre de te tutoyer devant toute cette belle audience. Pour moi, Pessah, c'est, tu as parlé de la transmission tout à l'heure, et c'est exactement ça, c'est cette transmission, c'est Sedarim à la table de mes chers grands-parents, de tes parents. Et donc, j'en profite pour saluer mes oncles et tantes qui nous regardent aujourd'hui, mes cousins et mon papa, bien entendu. Et j'en profite également pour saluer le rabbin Daon et tous les amis nancéens qui nous regardent. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et intéressant que le rabbin Daon ait parlé de la paracha Bo, qui est le lien avec la génération qui arrive maintenant, puisque notre troisième fils fera sa bar mitzvah parashat bo, si Dieu veut, l'année prochaine. Donc voilà la continuation. Et donc voici que je me retrouve à introduire mon ami Harry Afilalo. Harry est un homme de grand cœur que j'ai connu il y a plusieurs années à New York, avec lequel, grâce à Dieu, nous avons pu faire de très très beaux projets ensemble. Et je pense que vous serez tous ravis d'entendre sa perspective sur Pessah et sur son passeport pour la liberté. Alors voici Harry Afilalo. Merci beaucoup Laurent, merci Kvod Harav. Et je suis vraiment content que Laurent m'ait présenté parce que j'allais commencer par dire que je vais faire, après ma petite présentation, je vais dire un petit peu quelques mots sur le nom Saadia et sur le nom de famille Morali, qui est très proche de mon cœur. Et donc, je te répondrai après. Alors, j'ai promis, je vais tout de suite dans le vif du sujet, de parler du premier-né. Mais alors, avant de parler du premier-né, et je vais partager mon écran, je veux parler de quelques questions que nos hachamim, nos sages nous disent. Ça fait des années qu'on se pose. Alors, par exemple, pourquoi les plaies ? Alors, il y a un rabbin ici que j'aime beaucoup, il s'appelle le Rav David Forman, et il a un petit jeu, ça s'appelle l'Exode. Et donc, on se met dans les chaussures, comme ils disent ici, de plusieurs participants à l'Exode, Kadosh Baruch Hu, qui viachol avec nos petits cerveaux, Pharaon et Moshe. Et puis, on se dit, voilà, prenons les premiers mots de l'Exode et disons que Kadosh Baruch Hu parle de son premier-né, qu'il appelle Israël et qu'il veut libérer. Mais alors, pourquoi des plaies ? A-t-on vraiment besoin de l'approbation de Pharaon ? Qui est-il pour nous dire qu'on a besoin qu'il nous laisse partir ? Et voilà ce qu'on trouve dans la Torah. Vayomer Hashem el Moshe, Belertecha lashuv Mitzrayma. Alors, il est déjà rentré chez lui après le buisson ardent où Moshe n'était pas très chaud pour prendre le job. Mais il repart, il voit son beau-père Yitro, et Hashem lui dit, « Quand tu repars en Égypte, Re, kol amoftir asher samti viadecha, vasitam lifne pharo. » Regarde toutes les choses que je t'ai données et que tu vas montrer à Pharo. « Vani achazek et libo. » Mais moi, je vais endurcir son cœur. Déjà, mission impossible dès le départ. Bon, on continue. Va martel, Paro. Koamar Hashem, béni Bechori Israël. Donc, tu vas dire à Pharo, voilà ce qu'a dit Hashem, mon fils, mon aîné, Israël. Va Omar Alecha, mais moi, Hashem, je t'ai dit, Moshe, Shalach et béni, va Yavdeni.
Let my people go, comme ils disent ici. Laisse mon peuple partir, libère-le, va t'émaen, et toi, tu vas dire non. Shalcho, tu ne vas pas le laisser partir. Et donc, moi, je vais tuer, comme tu ne laisses pas partir mon aîné, je vais tuer ton aîné. Ça m'a l'air un petit peu difficile comme, comme mission. D'abord, moi, je me dis, bon, si il y a quelques milliers d'années, Akadosh Baruch Hu, qui sait tout, regarde ce qui s'est passé, par exemple, en 1967, la guerre des six jours en Égypte. Pourquoi faire tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait en 67? On envoie des avions, on détruit l'aviation égyptienne, et puis on est tranquille. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a plein de plaies, il a des nuées de feu, il a de la grêle avec du feu à l'intérieur. Détruisons les chars, on peut tuer un petit peu d'Égyptiens, mais pas tout le monde, pas tous les premiers-nés. On détruit le château de Pharaon, et puis on part, tous protégés. On arrive en Israël, et puis on montre à Pharaon, le roi des païens, celui qui se prend pour un dieu, qu'on est mieux que lui parce qu'on reconnaît le dieu unique. Pourquoi on n'a pas fait ça? Continuons. On va arriver au bout, au premier-né. Alors, on arrive à la première plaie. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est si cruel pour dire à Pharaon, je te tue tes premiers-nés tout de suite sans t'avertir? Après tout, on sait, nous, dans le Talmud, dans le Sanhedrin, qu'avant de condamner quelqu'un à mort, qu'on ne fait jamais d'ailleurs, sauf en cas extrême, on leur donne des avertissements, on amène des témoins, et voilà ce que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe comme instruction. Baou Moshe Varon Vayomu El Paro, Quoi Marachem Eloke Israël, Shalach et Ami Vyachoguli Bamidbam. Ok, ils arrivent devant Pharaon et lui disent, laisse mon peuple partir pour qu'on fasse la fête avec Hachem Bamidbam. Et alors Pharaon nous dit, Rashi, lui, il est très intelligent, Pharaon. Il est pas, c'est un roi qui lit beaucoup. Il prend son livre et puis il cherche là, dans le dictionnaire des divinités, et puis il ne trouve pas Hachem. Et alors il leur répond, « Mi Hachem Hachereshma Bekolo ?» Je ne connais pas moi ce Hachem, c'est qui ?« Le Shalach et Israël, lo yadati et Hachem, begam et Israël, le Shalach. » Je ne le connais pas et puis Israël, ils ne vont pas partir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, alors on penserait maintenant que Moshe et Aaron, ils vont un petit peu aller crescendo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va être un petit peu plus dur, mais non. Mais non. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vaïchezak lev paro, le cœur de Pharaon devient de plus en plus dur, et puis il ne veut pas les laisser partir. Qu'est-ce qu'ils disent? Mi Hashem Hashem Rishpare Koloshetra, lo adet Israël vegamlo. D'accord, on continue. Maintenant, il faut comprendre quelles sont les divinités des Égyptiens à l'époque. Et pourquoi c'est très important de comprendre ça? Les Égyptiens, c'est les païens par excellence. Ils ont un dieu pour tout. Donc, si on vient vers eux et qu'on leur dit, ben, Aaron, il a son petit bâton qui devient un serpent, qui mange tout le monde, ils amènent les sorciers font la même chose, pas de problème. Maintenant, on continue. Et puis, on dit, ben voilà, maintenant, il y a Aaron qui met son bâton sur l'eau, et puis l'eau devient du sang. On attaque le Nil, le cœur de l'infrastructure égyptienne, et puis on va vous montrer que notre Dieu, c'est le seul Dieu. Lui, il amène ses sorciers, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. On continue et puis on amène d'autres plaies. Et là, qu'est-ce qu'on amène? On amène les grenouilles. Alors, les grenouilles, bon, c'est pas vraiment... On ne veut pas avoir de grenouilles, mais pourquoi les grenouilles? Alors, regardez le texte pour les grenouilles. Les grenouilles arrivent. Et puis, il y a un échange entre Pharaon et Moshe qui est très intéressant et puis qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre. Les Égyptiens, ils n'aiment pas les grenouilles. Puis alors, Pharaon dit à Moshe Aaron, venez et demandez à votre Dieu de nous enlever ces grenouilles. Qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe? Il ne lui dit pas oui ou non, il lui dit, it pa er alai, mais make my day, comme on dit ici, montre-moi, le matai atir lecha velavadecha ou la mecha, la chit atzvadeim. Quand est-ce que tu veux que je fasse ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette obsession avec le temps? Et Pharaon, il répond tout de suite. Lui, il ne lui dit pas, mais tout de suite, il lui dit, non, demain. Il lui dit demain. Et Moshe lui répond très bien. Le man teda ki en kachem elokenu. Alors là, on voit la première déviation entre les sorciers égyptiens et le Dieu d'Israël. C'est l'histoire du temps. Parce que les sorciers égyptiens, peut-être qu'ils arrivent à montrer aux gens, à leur faire une illusion, qu'il y a du sang dans l'eau, qu'il y a des grenouilles.
mais au niveau du temps, ils sont incapables de dire que demain à 7 heures, les grenouilles s'en vont. Et là, Pharaon, il commence à avoir peur. Et ça continue. Ensuite, on arrive aux bêtes sauvages. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec les bêtes sauvages ? Hachem, pour la première fois, dit aux Égyptiens, « Vei fleti bayam ahu et eretz goshen, asher ami omed alea, levilti ayot sham arov. » Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une différence dans l'espace, dans la notion de l'espace. On n'est plus dans le temps, on est dans l'espace, entre la terre de Goshen, où mon, père se mon peuple se trouve, et vous. Et les bêtes sauvages ne vont pas aller dans la terre de Goshen, ils vont aller juste chez vous. Alors moi, je ne sais pas, je vais au zoo de New York, puis je vois le petit lion là-bas, il ne sort pas de sa cage parce qu'il y a trois barrières. Par contre, on ne peut pas lui dire « tu as un passeport pour ne pas rentrer chez les Juifs, mais rester chez les Égyptiens ». Non, non. Et là, Moshe, il est en train de démontrer à Pharaon que non seulement notre Dieu, il a le pouvoir de s'attaquer au Nil. Numéro 2, il a le pouvoir sur le temps de décider exactement quand et qui, mais troisièmement, il a le pouvoir sur l'espace. Les bêtes sauvages vont aller chez vous, mais pas chez nous. Et alors là, on va passer à une histoire de cœur, parce que Laurent va vous dire, nous à New York, on est très romantique. On va parler d'une histoire de cœur et on va parler du libre arbitre. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est que quand Moshe repart en Égypte et que Dieu lui dit, moi, de toute manière, ta mission, elle est impossible parce que je vais endurcir le cœur de Pharaon et il ne va jamais te dire oui. Alors pourquoi y aller ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et un de nos commentateurs, Sforno, dit, attention, il y a deux mots en hébreu qu'on utilise pour endurcir. Il y en a un qui s'appelle Vayechezak, endurcir, et l'autre, Kaved. Kaved, ça veut dire lourd. Il y a une grande différence entre les deux. Ce que Dieu a fait, en fait, d'après Sforno en Égypte, c'est qu'il a donné au Pharaon le libre arbitre. Son cœur, il l'a rendu courageux. Parce que ça, c'est un combat entre le monde des païens et notre monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir toutes ces plaies. Le monde des païens, c'est quoi ? C'est, on va en parler, mais premièrement, c'est qu'il y a beaucoup de dieux. Il y en a un dans l'eau, il y en a un dans les animaux, il y en a un dans le soleil, il y en a un dans la terre. Nous, c'est partout. Alors, on arrive, on dit, regardez ce dieu, il fait tout. Il s'occupe du temps, il s'occupe de l'espace, et en plus de ça, il va, toi, te donner, Pharaon, le courage de le combattre. Et après, si toi, tu vas être têtu, c'est toi, c'est pas nous. Alors, on continue. Et on arrive à la grêle. Et là, à la grêle, c'est la première fois où Dieu intervient directement. Qu'est-ce qui se passe avec la grêle ? Au départ, c'est Pharaon lui-même qui est têtu. Et là, c'est Hachem qui dit, écoutez, Pharaon, vous n'allez jamais sortir de votre état d'esprit. Je comprends que vous, c'est tout vous. Vous pensez que vous êtes le Dieu. Et donc là, maintenant, c'est moi qui vais vous endurcir le cœur, vous alourdir le cœur, pour vous montrer qu'au fond de l'histoire, à la fin de l'histoire, c'est nous qui allons gagner. Et là, on arrive au premier-né. C'est là où c'est intéressant. Alors, passons déjà, comment on dit le premier-né en hébreu ? Béhor. C'est quoi le rôle du premier-né ? Le rôle du premier-né, c'est un lien entre le papa, la maman et la génération suivante. Bon, moi, j'étais nul en maths à l'école, mais j'ai eu une petite leçon de gématria. Je vais la répéter parce qu'elle est très bien, à mon avis, et puis elle nous illustre un principe. Comment on dit papa en hébreu ? Av. Av, le Aleph, c'est numéro 1. Le Bet, c'est numéro 2. Bechor, 3 lettres. Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Resh, c'est 200. L'aîné, il prend la leçon du papa et de la maman et il la dissémine à la génération suivante. Il leur dit, écoutez, moi, je suis là pour être la chaîne entre la génération d'avant et la génération d'après. C'est pour ça d'ailleurs que quand Admeavestrim, nos parents partent, qu'est-ce qu'on met sur leur tombe ? On met une pierre, Even, Av, Ima, Ben, Bat, Nun, Nechen, Necheda. Nous, on est la chaîne qui a commencé là, qui a commencé à la sortie d'Égypte et que samedi soir, on va continuer à transmettre à nos enfants. Mais alors, c'est quoi cette chaîne ? Partons à la Agada. La Agada nous dit « Arami Oved Avi ». Il y avait un Arami qui n'était pas gentil avec mon papa. Mais alors, à cause de lui, « Vayered Mitzrayma », on est descendu en Égypte, « Vayagor Sham Bimtemeat ». Et nos ancêtres
ont habité là-bas. Là-bas. Cham, c'est un mot important. Et puis, on est devenu une grande nation. Et alors, cette grande nation, nous dit le Rav, je vais vous montrer le livre, le Rav Soloveitchik, un Gadol Hador au XXe siècle en Amérique, il nous dit, qu'est-ce que c'est une grande nation? Une grande nation, elle a deux choses. Premièrement, elle a des chukim et mishpatim. C'est une nation qui est proche de la justice. Et deuxièmement, c'est une nation à Sherlo, Elohim, Krovim, Elav. C'est une nation qui sait parler au bon Dieu. Alors que Pharaon, pour lui, c'était lui le bon Dieu. Donc, pourquoi toutes ces plaies? C'est pour deux choses. Premièrement, c'est que pour Dieu, prouve à Pharaon, l'emblème de l'idolâtrie et des païens, que c'est lui qui a créé le monde, que c'est lui le seul qui décide du temps, de l'espace. Et non seulement ça, on va parler maintenant du premier-né, et pour nous montrer à nous que nous, dans notre ADN, on a une responsabilité d'être les témoins de l'histoire. Alors, passons maintenant au premier-né. Mais là, je vais arrêter de partager l'écran. Qu'est-ce que c'est le premier-né? Qui sont les premiers-nés chez nous? Moi, je suis un premier-né. Hein. Donc, je suis né le premier. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi le premier-né. Si on repart au livre de Bereshit, qui c'est les premiers-nés? C'est toujours ceux d'après. Moshe, d'abord, ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Yosef, ce n'est pas le premier, il y a Réhouven avant lui. Yaakov, ce n'est pas le premier, il y a Esav qui part avant lui. Le premier-né, c'est quelqu'un qui vit la vie que le bon Dieu lui a destinée. Ce n'est pas celui, il n'y a pas de droit d'aînesse. Par contre, chez les Égyptiens, oui, il y a le droit d'aînesse. Chez nous, on n'achète pas le droit d'aînesse avec un plat de lentilles. On vit une vie qui est une vie de droit d'aînesse. Sinon, Yaakov, pour trois lentilles, on ne va pas lui donner son droit d'aînesse. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'en Égypte, qu'est-ce qui se passe? On a un Dieu qui se révèle à nous. Alors, on y dit toujours, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Juifs? Ben, on est les ancêtres du monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu, très bien, un Dieu, mais quel Dieu? C'est un Dieu qui est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui est un Dieu qui est ami de l'être humain, qui est dans son cœur. Abraham, Kadosh Baruch Hu nous dit, c'est mon copain. Moshe, il parle à Kadosh Baruch Hu, panim el panim, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est le Dieu que nous, on a amené dans la terre. Une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'en Égypte, cette délivrance d'Égypte, c'est le début de la Géoula, c'est le début de la rédemption d'Imot HaMashiach, que nous, de génération en génération en génération, on a le devoir de comprendre et d'accomplir. Et si on casse cette chaîne, Chas V'Shalom, qu'on ne fera jamais, là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Les Égyptiens, eux, toi, tu es le premier-né, tu peux opprimer ton frère, ta sœur, la maison, il n'y a pas de problème. C'est ton droit qui est acquis. Nous, non. Nous, c'est un droit pour lequel on doit travailler dans chaque génération. Alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer au troisième temple? Moi, je ne sais pas, la vérité. J'ai commencé à réfléchir à ça, Rav Saadia. Dès qu'on a parlé, je n'arrête pas d'y penser. Et après, j'ai dit, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme d'habitude, je vais voir quelqu'un qui sait mieux que moi. Et là, je vais partager un écran avec vous d'une personne remarquable, le Baal HaSulam, Zichrono Livracha. Alors, le Baal HaSulam, c'est Rav Ashlag. Il est né en Pologne. Et c'est un génie de la Kabbale. Il arrive en Israël et puis c'était le secrétaire général de la Histadrut, du syndicat israélien. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, il y a un échange très connu entre lui et Ben-Gourion, où Ben-Gourion lui dit « Écoute, je veux que tu m'apprennes la Kabbale. Moi, je veux que tu m'apprennes la solidarité. » Et voilà ce qu'il dit, lui, le Rav Ashlag. Alors, je vais vous lire ça et je vais conclure avec ça. Ulam hagmar shel tikkun haolam. La fin de cette tikkun olam, d'amener le monde où il devrait être. Yebachnasat kol baya olam besod avodato itbarach. C'est quand tous les êtres humains seront introduits, grâce à nous, le peuple d'Israël, au secret du service de l'Éternel. Alors, comment on fait ça? D'abord, d'où on sait ça? Il faut regarder les prophètes, premièrement. C'est marqué « Vaya, Hachem le melech al kol haaretz bayom ahu, et Hachem echad ushmo echad, bayom ahu velo lifneze. » Ce jour-là, dans le troisième temple, on s'assoit tous ensemble pour Pessah, le nom de Dieu sera unique, il sera unifié au bout du compte. Alors le Baal HaSulam, il dit « comment on fait ça ?» Il dit « Regardez-vous les Juifs, en Égypte, qui étiez-vous ?
ben, des esclaves, pas très méritants. Et le Midrash nous dit qu'on arrivait devant la mer morte, il y avait l'ange de l'Égypte, celui qui symbolise l'intellect de l'Égypte, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi ces Juifs seront devant nous? Et nous, on a dit, Moshe, il était perdu. Il a commencé à crier à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, Daber Elaham Vaïsaou, parle au peuple et ils vont voyager. Ça veut dire quoi, parle au peuple? Le pauvre Moshe, il est là avec le peuple depuis des mois, personne ne l'écoute. C'est quoi, parle au peuple? C'est quoi, voyager? À Kadosh Baruch Hu lui dit, on s'embarque dans cette épopée juive qui va durer 6000 ans, qui va nous amener peut-être avant, espérons, à la Géoula, au troisième temple. Et vous, ce que vous devez faire, vous devez faire plein de choses. La première chose, c'est vous devez faire Torah Lishma. Vous devez servir à Kadosh Baruch Hu sans aucun intérêt, juste Lishma, pour elle. Et comment on fait ça? C'est la solidarité. Le Baal HaSulam nous dit, quand le peuple d'Israël, il a des exemples extraordinaires, du royaume animal, végétal, quand le peuple d'Israël devient uni, quand le peuple d'Israël qui est en Égypte a appris à être uni, parce qu'il a été exposé à l'esclavage, à la cruauté de Pharaon, et qu'il met l'intérêt de son prochain avant le sien, là, Kadosh Baruch Hu, il commence à amener la Géoula. C'est pour ça qu'il était fâché avec Pharaon, parce qu'il dit, attends, laisse-les partir, laisse-les commencer à amener la Géoula. Ce n'est pas juste pour les Juifs, c'est pour le monde entier qu'on parle, pas juste pour nous. Donc, notre mission, c'est une mission d'être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui n'avaient pas la Torah, qui vivaient une vie de Torah, une vie de compassion et de solidarité. Nous, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et si on fait ça, Akadosh Baruch Hu va montrer aux autres habitants de la Terre que c'est comme ça qu'il faut se comporter, on va arriver au troisième temple. Et pourquoi c'est relié au fils aîné? Ça veut dire quoi d'avoir un fils aîné? C'est qu'il y a d'autres fils et d'autres filles. S'il y a un aîné, c'est qu'il y en a d'autres. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, très bien, tu es mon aîné, mais attention, moi j'aime tous mes enfants pareil. Et toi, d'être l'aîné, ce n'est pas que tu es le peuple choisi parce que tu es plus beau, que tu as une couronne, c'est parce que tu as une responsabilité énorme. Et notre responsabilité, de par l'histoire, comme on le sait tous, on a payé un prix énorme pour la respecter, pour la garder. Et donc aujourd'hui, Baruch HaShem, on a Eretz Israël, on a un État d'Israël. Et comme a dit le Rav Soloveitchik, il a écrit un essai extraordinaire qui s'appelle « Kol Dodi Dofek », « La voix de mon amoureux tape à la porte ». Et là, Kadosh Baruch Hu, il est en train de taper à la porte. Il me dit « Attendez, regardez tous ces miracles. Vous êtes 2000 ans en exil. Je vous amène un état après tous ces malheurs. Okay, maintenant, je vous montre. » Et puis bon, moi, je ne parle pas trop de politique, mais je regarde ce qui se passe. Je regarde les accords avec des États qui nous détestaient il y a 5 ans. Et je me dis, waouh, Kol Dodi, vraiment, Dofek à la porte. Et aujourd'hui, quelle est notre mission? C'est de nous recentrer sur nous et de nous recentrer sur une mission de solidarité où on met les intérêts du prochain avant les nôtres. Ve'avta l'ercha kamocha. Ze klal gadol batora, nous dit Hillel. C'est quoi klal? Klal, c'est kol. Toute la Torah se retrouve dans cette mitzvah. Et donc, si on arrive à faire ça, là, on arrive au troisième temple. Et là, on arrive à Pessah au troisième temple, qui est quoi? Qui est la continuation de tout ça. Tout ce que nous, on a été chargé de témoigner au monde, et bien là, le monde, il est en train de voir ça. Et comme a dit le prophète, hein, et je cite, « Umal'a haaretz de'at Hashem ». Et là, toute la terre se remplit de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas venir à la télévision et nous dire ben « voilà ce que je veux ». Et donc, il parle par l'intermédiaire d'un peuple petit, qui a été en Égypte pour apprendre la cruauté de l'oppresseur et pour témoigner au monde de ce que Akadosh Baruch Hu veut dans cette terre. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est pour ça que le Zohar nous dit, nous, on a la capacité d'amener la Géoula demain par nos actions. Sinon, elle arrivera de toute manière, Chas v'Shalom, par les Yissourim. Mais ce que Pessah au troisième temple veut dire, c'est que nous, on a compris que ce qui a commencé en Égypte, un Dieu qui est personnel, qui est dans le cœur, qui dit à Pharaon toutes ces histoires d'esclavage et d'égoïsme, ce n'est pas pour moi, qui prend un petit peuple et qui l'amène à un statut comme ça, ça, c'est le Dieu que le monde doit avoir. Et donc, Bezrat Hashem, on continuera à faire ça. Et on ne peut pas le faire sans notre terre, sans des gens comme vous, Rav Saadia. Et c'est pour ça que je voulais dire deux choses avec votre permission. Saadia Agaon, donc c'est votre grand-père, n'est-ce pas, le Rav Morali d'Alger, ou votre arrière-grand-père? Rav, votre micro, Rav.
Je crois que c'est votre grand-père. Donc, le Rav Morali à Alger, il a traduit les 10 commandements. Il a fait une homélie. Voilà. Exceptionnel. Oui, c'est notre grand-père, mais je vous écoute. Exceptionnel. Et donc, moi, quand j'ai grandi à Ivry-sur-Seine, à Paris, on avait un monsieur qui venait d'Alger. Et puis, tous les Shavuot, on lisait ça en arabe. C'était le summum de… Ça nous c'était extrêmement émouvant. Et donc, après, j'ai connu Laurent ici. Et là, il y a un an, si je peux me permettre, Laurent, début de la pandémie, on a fait des actions sociales ensemble pour aider les gens. Et donc, c'est un petit truc qu'on fait. Mais nous, on a tous un chélek dans la Torah. Et Pessah nous montre que cette petite partie qu'on a dans la Torah, si chaque âme d'Israël la prend, ok, et je vais conclure avec ça, comme on a dit dans la paracha de Vaikra, le sacrifice qu'on fait, Vaikra Bikem, on doit prendre un sacrifice de nous. Tout ce qu'on a de bien chez nous, de mieux chez nous, le chazan va chanter, le poète va écrire, l'homme avec des muscles, la femme va porter des choses. Là, on va amener Israël et le monde à la Géoula. Et pour moi, c'est ça, Pessah au troisième temple. C'est de prendre tout ce qu'on a, chaque étincelle qu'on a eu déjà il y a quelques milliers d'années, et de dire à Kadosh Baruch Hu, on est là, on est les témoins, on est les agents, et puis on est là pour faire ta volonté. Une fois qu'on fait ça, boum, pas de problème. Comme Moshe, qui au départ était hésitant, c'est pas facile. Mais au bout du compte, il est là, il est en train de dire à Paro, quand il est sorti, moi je sors avec tout le monde, les femmes, les enfants, les petits, le bétail, tout le monde. Et Mitzrayim, c'est derrière nous. Toutes ces choses qui nous oppriment, qui nous gardent dans une étroitesse d'esprit, on les jette derrière, et puis on va en avant ensemble, et puis tout le monde ira avec nous. Pas parce qu'on est fier, pas parce qu'on est plus fort, mais ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, voilà, c'est votre mission. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler. Et Ratzon, que ce soit cette année, qu'on a la Géoula Shlema, qu'on se retrouve à Jérusalem l'année prochaine, tous ensemble en train de célébrer ensemble, au troisième temple. Amen, amen, amen. Un grand, grand merci à vous. C'était la première fois que j'ai eu le plaisir de vous entendre. Et je suis convaincu, comme beaucoup d'auditeurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci un beaucoup. Élément peut-être par rapport à votre information, par rapport à ce que vous nous avez transmis, c'est Or Lagoïm, cette lumière des nations, ce que Israël doit représenter au niveau du troisième temple. Et quelque part, parfois il y a des étincelles qui sortent. Par exemple, la pandémie qui suit actuellement, on voit que Israël a trouvé une place de choix dans la vaccination, mais qu'elle même par rapport aux autres nations, elle propose des missions, elle propose des vaccinations aux autres nations. Quelque part, c'est un exemple que je donne, mais c'est peut-être là une dimension qui tend à se développer actuellement, la dimension de Or Lagoïm. Tout d'un coup, le peuple d'Israël reprend sa place dans les nations, pas simplement pour être décrit, mais pour être un modèle en toute humilité par rapport aux nations. Alors, un grand merci pour votre information. Je peux permettre, finir avec une note personnelle. Oui. Mon épouse, il y a quelques jours, j'ai parlé de cette question. Elle m'a dit, il faut que tu parles du vaccin. Et moi, t'es-tu, bien sûr, pas la pharaon, mais j'ai dit, mais non, le vaccin, c'est politique, c'est là. Elle m'a dit, mais non, le vaccin, c'est Or Lagoïm. Alors là, quand elle regardera ce soir cette vidéo, elle verra qu'elle a été validée par vous. Ça me donnera du shalom bayit. Merci beaucoup. Un grand merci. Et merci. Je voudrais tout de suite donner la possibilité, non pas la parole, mais la voix à Ouriel avec son talent pour nous donner une version plus farade maintenant sur Pessah. Alors, on t'écoute avec plaisir. Ouvre ton micro. Il est fermé le micro. Voilà, c'est bon, on t'écoute. Bon, voilà. Chef Anrou, War Chef Anrou, War Chef Anrou, War Chef Anrou, Berer Vekoma. Akade, Faberu, Akade, Faberu, Bahade, Ma, Bahade, Ma, Lefane, Ani, Lefane, Ani, Nersha, Nai, Nersha,
Ketola ad ketana, ketola ad ketana, abadama, etana abadama, melola, asher, melola, masher, en ket le godlo, en ket le godlo. Achamoni, achamoni, halelcha uvama, halelcha uvama. Adarcha lo yechilu, adarcha lo yechilu. Malachehu, malachehu. Auriel, si tu peux chanter plus fort qu'on t'entende. Mais c'était très beau, très beau. עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו איש העמד על אבותינו ואיש העמד על אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu lechalotenu ve'akadosh baruch hu matzilenu akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Auriel, oui, tu m'entends? Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup, Toda Rabba et Auriel Morali. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le fils du Rav Morali qui était en direct de Kiryat Arba. On a ressenti la colle Eretz israélien en direct de Kiryat Arba. Toda Rabba, Auriel. Et je suis très heureux de présenter notre dernière intervenant qui s'appelle David Shawat. David, est-ce que tu es avec nous? Erev Tov, David. Erev Tov, Erev Tov. Alors, David, toi, tu es en direct de Bethel. Il y a plus de 130 personnes maintenant qui te regardent.
Et tu vas ce soir nous parler d'un thème tout particulier. Mais avant ça, j'aimerais rappeler que tu vas sortir un livre. Le confinement a été profitable pour toi parce que tu en as eu le temps d'écrire un livre. Tu es guide, diplômé, tu es éducateur, tu es passionné de transmettre. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Amsegula. On espère pouvoir en parler une prochaine fois. Ce soir, tu vas nous parler d'un thème tout particulier, le printemps d'Israël à travers l'histoire. C'est le thème de Pessah et tu vas nous parler donc de plusieurs révoltes, de plusieurs Pessah historiques. Bechavod, David, tu es en direct de Bethel. Bechavod. Erev Tov et Toda Rabba Yohan, Toda Rabba la Rav Morali. Alors, comme je suis le dernier, c'est très pratique puisque je peux prendre la place de personne. À Lausanne, il y avait le fameux Chazan de Lausanne qui était assez drôle, qui chaque personne qui parlait lui mettait une montre à côté de lui. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui parlait beaucoup. Il lui apportait un jour un calendrier devant lui pour l'expliquer qu'il fallait qu'il arrête à temps. Donc, on va quand même arrêter à temps. Et nos sages vous expliquent que chaque fête, en fait, a une particularité qui s'exprime à travers le jour de la fête. C'est-à-dire, c'est pas parce que on est sorti d'Égypte que le jour du 14 Nissan a une sainteté, mais parce que ce jour a une particularité, donc il arrive un événement. On connaît ça très, très particulièrement, par exemple, pour le jour de Tisha B'Av. Parce que le jour de Tisha B'Av est un jour, hélas, qui est propice aux catastrophes. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres événements, comme le début de l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne ou le départ des camps vers Auschwitz, etc., etc., etc. Même chose pour Kippour, c'est le jour à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné à Moshe Rabbeinu, c'est le jour qui est propice au pardon. Donc, on va essayer de voir ensemble quelle est la particularité de Pessah qui s'exprime justement à Pessah, à part la liberté, comme ça a été exprimé. Et pour ça, on va prendre des événements historiques. Mais j'aimerais d'abord relever une particularité qui est assez intéressante. Pessah est en fait la fête qui est le plus, la plus pratiquée par le peuple d'Israël, beaucoup plus que Kippour. Il y a très, très peu de Juifs dans le monde entier qui ne participent pas à un seder de Pessah, qu'ils soient très, très loin de tout, que ce soit des gens qui vont peut-être manger du pain juste après avoir mangé des galettes, que ce soit des Israéliens qui sont au Katmandou et que les Chabad leur font un seder pour eux qui sont dans un seder de 4000 personnes, les gens se sentent obligés de participer à cette soirée de Pessah. Alors, on va parler de deux événements qui sont déroulés le soir de Pessah. Et peut-être qu'à travers ces événements-là, on arrivera à comprendre quelles sont la particularité qui ressort de ce jour de Pessah et qui traverse tous les temps. Et peut-être que comme ça, on arrivera aussi à comprendre quel est cet attachement particulier au soir de Pessah qui est absolument incompréhensible. Les gens sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour participer au soir de Pessah, à l'inverse d'autres fêtes. Alors, pour ça, on va tout de suite. On va tout de suite parler de deux événements qu'on connaît tous et peut-être qu'on va les voir avec une autre perspective. On sait que Masada, on connaît tous l'histoire, on ne va pas faire un cours d'histoire maintenant, on va juste s'attarder sur quelques points qui vont nous éclairer. On sait que Masada, l'histoire de Masada en fait commence après la destruction du deuxième temple en 70 et on sait qu'il y a un groupe de juifs qui décide de pas se laisser avoir, de ne pas se laisser mener par les Romains, et ils vont se réfugier sur cette forteresse qu'avait construit Hérode à Masada. Ils sont à peu près une 900-950 à peu près, ils sont de différents bords, et la première question qu'on pourrait se poser, c'est ben, je crois que les Romains ont gagné, Jérusalem a été détruite, pourquoi ne pas laisser tomber ? L'autre question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi les Romains ne lâchent pas le morceau, comme on dit, et pourquoi ils insistent encore pour continuer à poursuivre les Juifs alors qu'ils peuvent laisser mourir tranquillement. On connaît plus ou moins l'histoire de Masada, il y a un siège qui dure 3 ans, mais la fin de l'histoire de Masada est assez surprenante, puisque en fin de compte, quand ils voient qu'ils n'ont plus de chance et que les Romains ont réussi à arriver vraiment au sommet avec des fortifications qu'ils ont construites pendant des années, ils décident de se donner la mort. Ils décident de se donner la mort et on a une grande question qui arrive, c'est le soir de Pessah. Et d'abord, pourquoi encore une fois, quel rapport avec le soir de Pessah ? Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on pense souvent qu'ils ont fait une erreur, qu'on n'a pas le droit de se suicider dans la Torah. Et nos sages nous expliquent qu'un suicide de dépit personnel, c'est une très grave faute. Loa Lenou, la personne, on n'enterre même pas
avec les autres dans le cimetière. Mais il y a un seul cas où il est permis de se donner la mort, c'est quand il y a une responsabilité collective. Et l'exemple que nos sages nous apportent, c'est Shaoul, le roi Shaoul, quand il voit qu'il va tomber aux mains des ennemis, des Philistins, dans le dernier combat dans le Gilboa, il demande à son écuyer de le tuer, son écuyer n'ose pas le tuer, et lui-même, il va se jeter sur l'épée, il va se suicider. Et tout le monde se pose la question, pourquoi il fait ça? Parce qu'il y avait une peur qu'on l'humilie, et à ce moment-là, il aurait engendré une démoralisation du peuple d'Israël, et il aurait engendré des conséquences néfastes, et c'est pour ça qu'il a mis fin à sa vie. D'ailleurs, on retrouve cette histoire-là quand le dernier roi du premier temple, Tzidkiaou, ne se suicide pas, on lui crève les yeux, on le traîne, et nos sages nous expliquent qu'il a fauté, il aurait dû se cogner la tête contre le mur et se tuer pour éviter qu'on l'humilie et qu'on humilie ainsi le peuple d'Israël. Enfin, le cas le plus connu, c'est Shimshon, Samson, que non seulement il se suicide, mais c'est Dieu qui lui donne la force de faire ça. Mais grâce à ça, il va tuer tout, en fait, l'établissement, l'établishment, tous les généraux, tous les leaders philistins. Et on dit qu'après ça, la terre d'Israël sera tranquille pendant 40 ans. Donc, il y a manifestement une dimension particulière qui fait qu'il y a une responsabilité collective et que des fois, nos actes ont un lien avec des actes qui sont pour les autres. Parce qu'effectivement, peut-être que ces gens-là, ils auraient peut-être pu essayer de se sauver, peut-être ils auraient essayé de demander, on va dire comme ça, qu'on les épargne, mais ils ont préféré faire autre chose. Ça, c'est la première histoire qu'on va voir avec Masada. Tout ça, on connaît. Maintenant, la chose qui est très intéressante, c'est que Masada, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'endroit le plus visité en Israël après le Kotel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Masada est resté un symbole? On sait que c'est l'endroit où Trump voulait faire son discours, il n'a pas pu pour des raisons de sécurité. Il y a quelque chose qui est resté 2000 ans après à Masada et qui est arrivé le soir de Pessah. Alors, si nous continuons maintenant, on peut lire quelque chose de très intéressant qu'a dit René Cassin, le prix Nobel de la paix. On pourra lire, voilà, on peut voir ce qui est écrit. Ce n'est pas la seule fois dans l'histoire que des combattants décident de se donner la mort pour ne pas risquer l'esclavage. Mais la valeur exemplaire de cet épisode de l'histoire juive saute aux yeux. La révolte des juifs du ghetto de Varsovie, c'est celle qui les a poussés à mourir dans un combat sans espoir, n'a-t-elle pas été animée par le pur esprit de Masada? D'ailleurs, un des pelotons de la révolte du ghetto de Varsovie s'appelait Masada. C'est intéressant, il fait le parallèle aussi par rapport à la France, que le fait qu'il y a certains qui n'ont pas capitulé avec le général de Gaulle, c'est en fait que c'est le début de la résistance. Et en fait, souvent, nous faisons des choses qui ont une incidence sur la collectif, le collectif d'un côté, et sur le temps. Il finira en disant, en évoquant en 1800, etc., plusieurs années, le dernier dramatique soubresaut de la résistance en Judée, tout homme digne de ce nom ne peut que frissonner d'admiration et renforcer sa foi en ses semblables. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective, et cette chose-là, elle arrive à Masada. OK, on a parlé de la révolte du ghetto de Varsovie. Si la technologie nous fait marcher, on va écouter juste une petite minute d'une rescapée du ghetto de Varsovie. Voilà ce qu'elle va raconter le soir du Seder à Varsovie. Si ça marche, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tu peux essayer, Johan, de voir si on arrive à faire quelque chose, sinon ce n'est pas grave. Alors. Rencontré dans un bunker quand la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder. Pas tout le temps ceux qui sont révoltés ont eu un soutien de la communauté. Bon, on leur a dit, vous nous faites des problèmes, vous nous faites des problèmes avec les nazis. Le Rav Maizel raconte, il arrête le seder en plein milieu. Il a mis les mains sur sa tête, il lui a dit, je vous prie, mourir avec l'esprit beaucoup plus tranquille. Ça, c'est ce qui est arrivé donc le soir de la révolte du ghetto de Varsovie. Maintenant, on connaît tous cette histoire-là. Et en fait, on se pose la question, pourquoi ils sont révoltés? Est-ce qu'ils avaient une chance de gagner? Est-ce qu'ils avaient une chance de s'en sortir? Ils n'avaient aucune chance. Si l'armée nazie a réussi à vaincre toute l'Europe, ils n'avaient aucune chance. Alors, pourquoi ils l'ont fait? Tout d'abord, c'est la même question qui revient. Est-ce qu'ils avaient le droit, en fait, il restait 50 000 juifs dans le ghetto de Varsovie, est-ce qu'ils avaient le droit
d'en fait d'amener leur mort beaucoup plus rapidement. Et là, ils ont demandé au Rav de Varsovie, le Rav Zamba, qui leur a justement expliqué les mêmes sources, que si jamais demain, ça leur permet, et ça permet à d'autres personnes de donner du courage, et ça permet à d'autres personnes à pouvoir survivre, alors à ce moment, ils peuvent le faire. Encore une fois, on revient sur la notion que nous faisons un acte, et en fait, il y a une responsabilité collective. Et ça, c'est aussi le soir du Seder de Pessah. Je ne vais pas vous montrer peut-être maintenant un tout petit film que vous pouvez voir, juste comprendre, ça c'est la fin du ghetto. Vous avez quelques images. Ben David, on ne voit plus l'image, il faut que tu repartages. Excuse-moi. C'est pas grave, on peut voir sans le. C'est pas grave, on va éviter le partage, ça va nous éviter des complications. Non, c'est bon, juste en gros, c'est tout en grand en bas, et on a l'image. Ok. Alors, juste quelques images pour comprendre un petit peu la fin du ghetto. De 50 000 personnes vont survivre très, très, très peu de personnes. On connaît certains qui vont arriver en Israël, qui vont créer le Kibbutz Lochamei HaGetaot dans le nord avec Zuckerman, avec Ante, etc. Enfin, tous ces gens qu'on connaît. La fin du ghetto, ça va durer 3 semaines. Pendant 3 semaines, ils vont se cacher dans les bunkers. Et en fait, la fin du ghetto de Varsovie, c'est le jour qu'on célèbre en Israël, ce qu'on appelle Yom HaShoah Agvura, la journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme. Et là, on rentre un nouvel élément qui est en fait l'héroïsme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le soir du Seder qui a changé? Okay. J'aimerais qu'on regarde la lettre de Mordechai Anilevitch et en deux phrases, il va nous expliquer la grande révolution qui a commencé au ghetto de Varsovie. Mais en plein écran, David, s'il te plaît. Pardon? En plein écran, en bas à gauche. En bas à gauche. Ouais, voilà, vas-y. Ce que nous venons de vivre ne peut être raconté et dépasse nos rêves les plus hardis. Les Allemands ont fui par deux fois du ghetto. L'une de nos compagnies a résisté 40 minutes et une autre plus de 6 heures. Et là, en fait, il y a d'autres témoignages intéressants qui diront, je crois que ça fait des milliers d'années, je ne sais pas combien de fois des non-juifs ont reculé devant un juif. Et là, l'élément qui est apparu, c'est ce qu'on appelle la gvoura. C'est ce qu'on appelle le courage. Maintenant, qu'est-ce que c'est la gvoura? Ce n'est pas tout le temps ce qu'on pense. Il y a un événement qui est le fait de ne pas avoir peur, mais il y a aussi autre chose. Alors maintenant, il raconte bien sûr toute la suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est un héros? Zvika Gringold, qui est le fameux tankiste qui s'est battu tout seul pendant 24 heures avec son tank, on l'appellera la Force Zvika, dira. Un héros de la guerre de Kippour, donc résumera le lien entre héroïsme et collectivité. La définition d'un héros est celui qui surmonte son individualisme grâce aux valeurs qu'il a reçues. Sans cela, je n'aurais pu surmonter ma peur de sacrifier ma vie. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que quand quelqu'un, en fait, devient un héros, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne fait plus partie uniquement de lui, de sa famille, mais qui pense qu'à partir de maintenant, il a une responsabilité collective par rapport à tout le monde. Ou selon les mots du Rav Ashkenazi Manitou, être un héros, c'est être plus fort que soi pour créer l'autre. C'est celui qui réprimande son propre vouloir d'être. Alors, ça a l'air très compliqué à dire, mais en fait, ce qu'il exprime, c'est beaucoup plus simple que ça. On va enlever le partage. Tu peux m'enlever le partage OK. C'est que tout simplement, on arrête, en fait, le fait qu'on est tout seul. On a beaucoup parlé de Pessah, on appartient à ce moment-là de quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, qu'est-ce qu'on voit à Pessah? Le soir du Seder, manifestement, c'est la création du peuple d'Israël. Et c'est intéressant que le rachat, le mécréant, il est appelé celui qui se sort de la collectivité. On aurait pu dire celui qui fait pas les mitzvot, celui qui croit pas en Dieu, celui qui blasphème. Il est considéré celui qui se sort du collectif. Le soir de Pessah, c'est de façon instinctive, on ne sait pas si c'est conscient ou pas conscient,
On a l'impression que les Juifs ont besoin de se sentir, une fois par an, qu'ils font partie de ce peuple, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Parce que l'attachement au peuple, en fait, il ne dépend pas d'eux. On peut décider de ne pas vouloir exprimer son judaïsme, mais on ne peut pas décider de ne pas faire partie de ce peuple. Et en fait, ce qui apparaît le soir du Seder de Pessah, et c'est ce qu'on voit aussi avec deux événements, et à Masada et au ghetto de Varsovie, c'est que d'un côté, on s'aperçoit qu'on n'est pas des individus, mais qu'on fait partie d'un collectif. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et ces deux événements-là, en fait, ils ont eu une influence que des gens particuliers ont eu une influence sur le collectif et sur le temps. Masada, jusqu'à aujourd'hui, c'est un symbole. C'est sur ça que les gens du ghetto de Varsovie se sont inspirés. Et on a aujourd'hui des milliers de témoignages de gens qui ont dit « Nous avons survécu la Shoah uniquement parce qu'on a entendu que des gens se sont révoltés. » Donc, en fait, ces deux événements-là sont des événements qui apparaissent le soir du Seder de Pessah. Et c'est très intéressant de voir deux choses. Pessah commence en fait 4 jours avant. Le 10 Nissan, qu'est-ce qu'on demande aux Juifs de faire en fait? On leur demande de prendre l'agneau, de le mettre devant leur maison. On sait que c'était une idole des Égyptiens. Et en fait, Dieu les éduque à être courageux. Pendant 4 jours, ils vont en fait narguer les Égyptiens pour justement apprendre à relever la tête, à sortir et avoir le courage. On sort d'Égypte, il y a les 10 plaies, mais ça ne suffit pas. On arrive devant la mer Rouge, et là, il y a une question que très peu de gens se posent. Les Égyptiens leur courent derrière. Le verset nous dit qu'ils étaient 600 chars. Alors, on va dire que c'est des méga chars, ils étaient 10 Égyptiens par char, ça fait 6000 chars. On sait qu'ils sont sortis d'Égypte 3 millions de personnes, 600 000 hommes, ils sont sortis Khamushim. Certains disent qu'ils sont sortis un cinquième, de Rashi nous apporte, ou Khamushim, vraiment armés. Ils sont 600 000 hommes armés, il y a 6000 personnes derrière eux. Quel problème qui marche sur eux? De quoi ils ont peur? Et là, lui, Ben Ezra va nous donner, en fait, ce grand changement qui doit se passer à la sortie d'Égypte. Ils disaient en fait qu'ils avaient une âme d'esclave. Ils ne pouvaient pas se battre parce qu'ils étaient dans une situation difficile où ils n'avaient pas l'habitude de se battre. Ils n'avaient pas l'habitude, un, d'avoir ce courage, et deuxièmement, mais pourquoi faire quelque chose pour l'autre? Pendant tout cet exil-là, chacun s'est occupé de soi-même. Chacun devait se défendre, chacun devait s'occuper de sa famille, et on ne peut pas les blâmer. À partir du moment où on rentre pour se battre, eh bien, on doit chacun comprendre qu'on met sa vie au service du collectif. Et ça, il fallait un passage. Pour conclure, quand j'ai fait ma alia, je savais qu'on était tout un groupe et on savait qu'on allait tous rentrer à l'armée. On a rencontré un rescapé de la Shoah et qui nous racontait qu'il est sorti de Salonique, qu'ils étaient dans un camp d'internement provisoire. Et ils étaient des milliers de juifs, c'est peut-être 2000 ou 3000. Ils nous racontent qu'il y avait peut-être 10-15 gardiens. Et à ce moment-là, on voulait tous lui poser la question. Quelqu'un osait lui poser la question, mais pourquoi vous n'êtes pas battu? Et là, je le revois encore, ça fait des années qui sont passées, des dizaines d'années. Il se relève, il dit, vous êtes une nouvelle génération où les Juifs relèvent la tête. Mais nous, on était une autre génération. Et là, on comprend maintenant ce que dit Louis Ben Ezra à la sortie d'Égypte. Pour finir ce qu'on vient de dire depuis le début, et Masada, et plus tard le ghetto de Varsovie, en fait, font ressortir 2 choses qui apparaissent le soir du Seder. Cette liberté-là, ce n'est pas une liberté individuelle. C'est une liberté à partir du moment où on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est sûrement ça qui fait que les Juifs sentent cette obligation de se rattacher au moins une fois par an. L'autre chose, ce courage, ce n'est pas des muscles. Ben, le courage, c'est comme on a dit, c'est comprendre qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et qu'on est prêt à mettre son soi-même au service de la collectivité. De la même que quand on est un seul corps, quand on comprend qu'on fait partie d'un seul corps, la main, elle va tout faire pour le corps parce qu'on fait partie de quelque chose d'ensemble. Quand on parle de Pessah, c'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que le 10 Pessah, 4 jours avant Pessah, on doit s'entraîner à relever la tête, s'entraîner à ce côté de courage. Et c'est pour ça qu'il a fallu aussi attendre à la traversée de la mer Rouge qu'on se réhabitue à ce nouveau concept d'appartenir à quelque chose de plus grand et de ce fait d'avoir le courage de relever la tête. Chag Sameach et un beaucoup de solidarité à tous nos amis dans le monde entier qui vont avoir un Pessah difficile pendant cette période de Pessah en confinement. En tous les cas, on pense à vous et on vous attend pour la prochaine fois. Merci Rav Saadia pour m'avoir donné le plaisir de participer à cette soirée. Merci à vous. On a eu beaucoup de plaisir à vous entendre et de conclure toute cette Pessah. J'espère que cette année, Bezat Hashem,
nous serons en mesure de faire un Pessah Kasher et Samea, et nous aurons bien entendu ce sentiment de solidarité vis-à-vis de tous les Juifs qui sont de par le monde. Vous l'avez signalé, aussi bien aux États-Unis, aussi bien en France, en Europe, qu'en Israël, Bevadaï, et que nous soyons tous les uns et les autres avec cette simcha spécifique à Hag Pessah et Samea, à vous tous. Merci beaucoup pour votre soirée, et merci à vous tous et à tous nos intervenants. Merci aussi à tous nos partenaires qui ont participé ce soir. Je pense à Lille Mode, bien évidemment. Je pense au groupe Beno Gross et je pense aussi à toutes les communautés qui se sont associées. Un grand merci, Chag Sameach et à bientôt. Chag Sameach. Toda rabba Rav Morali et à la communauté de New Jersey, à la communauté de New York qui était présente et à tout le monde. Et Chag Sameach, on finit en chanson avec V.I. chez Amda. Chag Sameach à tous. Chag Sameach. Shelo echad bilvan amadah.